Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir et bienvenue, mon cher Activette, à une nouvelle session dans la poursuite du programme tracé dans le cadre du Activette Webinar. Cette soirée sera spéciale avec notre cher confrère Belkhiri Raouf, qui est un délégué médical au sein d'une entreprise multinationale et qui va vous répondre, inshallah, à toutes vos questions dans le domaine de la délégation. Bonsoir, docteur Belkhiri, et bienvenue. Bonsoir, docteur Soussana Tek Saha. Merci pour cette invitation. Bienvenue à tous dans cette session où je vais tout vous expliquer pour tout comprendre sur le métier de délégué médical. Inch'Allah. Alors, on commence. Inch'Allah. Ok, merci. Bienvenue à tous. Alors, délégué médical. Qu'est-ce que c'est qu'un délégué médical et avec quel diplôme on peut faire cela? D'abord, on peut le faire avec notre diplôme vétérinaire, bien sûr, et aussi tous les autres diplômes médicaux, médecins, pharmaciens, dentaires et même biologistes. Et on peut aussi faire délégué commercial parce qu'il y a des sociétés où on ne trouve pas de postes médicaux. On peut faire commerciaux aussi avec nos diplômes et avec les diplômes commerciaux comme marketing, commerce, etc. Voilà. Alors, quel est le travail du délégué médical et aussi du commercial, mais on va beaucoup plus se baser sur le médical parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, le délégué médical va travailler avec pharmacie et les médecins. Le commercial, lui, ça sera avec pharmacie et les grossistes. Il va essayer toujours de travailler entre pharmacie et grossiste, d'assurer la disponibilité, de faire des bons de commande et travailler en symbiose avec le médical. Le médical passe d'abord par les pharmacies, essaie de voir la disponibilité des médicaments, essaie de voir la rotation du médicament, s'il marche, si ça ne marche pas, etc. Puis, il ira voir le médecin pour lui présenter le produit, etc. On verra ça en détail dans les prochains slides. Alors, pour faire délégué médical, un point très important, on va commencer par le CV. On doit faire un bon CV soigné parce que la plupart des gens vont faire un CV très simple, basique, comme celui-là, avec une photo floue, avec des informations à la volée. Imaginez-vous, vous êtes un recruteur, vous voyez un CV comme ça, vous n'êtes pas très chaud pour recruter cette personne ou pour l'appeler. Alors que si une personne vous envoie un CV comme celui-là, vous l'avez en main, avec une belle photo, des couleurs, une grosse écriture, c'est clair, c'est net, ça donne envie. Puis, on va passer au détail, on va commencer par la photo. Tout simplement, pour les garçons, c'est en tenue classique, chemise, cravate ou au minimum une chemise, costard, etc. Pour les filles, une tenue classique aussi, pas trop de couleurs, une tenue classique, quoi. Nom, prénom, bien sûr. Puis, le titre du CV. Le titre du CV, c'est le poste demandé. Vous allez écrire délégué médical ou délégué commercial ou alors délégué médical slash commercial. Pas de souci. Puis, vous allez mettre vos informations. Nom, prénom, adresse, email. Pour l'email de préférence, c'est un email qui fait professionnel. Genre nom, prénom ou prénom seulement avec un numéro. Évitez, je ne sais pas, naruto@gmail.com, etc. Numéro de téléphone pour qu'on vous contacte. Essayez d'être toujours joignable. Puis vous allez écrire une description de vous à propos de vous, ponctuelle, etc. Alors bon, évitez trop les genre je suis sérieux, je suis, etc. Parce que tout le monde est sérieux, tout le monde va dire ça. Ce n'est pas ce qui intéresse les recruteurs. Vous pouvez mettre vos loisirs, vos centres d'intérêt, il n'y a pas de souci. Les langues, français, anglais, arabe, c'est très important de bien maîtriser les langues. Puis l'expérience et la formation. L'expérience, de préférence, starte bon par ordre chronologique. 2014, 2019, vétérinaire. 2019, 2020, j'ai fait tel boulot. 2020 à 2021, j'ai fait ceci. Toujours par ordre chronologique. Pour l'expérience, comme pour les formations.
Voilà, avec ça, vous avez un CV soigné. Après le CV, vous allez le déposer. Il y a des pages Facebook, je vous invite à les aimer ou dans les groupes délégués médicaux. Souvent, les recruteurs postent s'il y a des offres d'emploi pour commercial ou pour médical, pour telle région, etc. Postulez toujours, postulez plein de fois. Comme ça, vous aurez de grandes chances d'être appelé. Quand vous serez appelé pour un entretien, le recruteur vous appelle, il va vous donner un rendez-vous le lendemain ou dans une semaine ou peu importe. Ça sera, si c'est une entreprise qui a un siège à Constantine, ça sera, l'entretien se fera dans le siège. Si l'entreprise est une multinationale ou s'ils ont un siège à Alger, etc., vous allez le faire en général dans un hôtel. Un point très, 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 très important lors d'un entretien, c'est la ponctualité. Vous devez, si vous dites de venir à 9h, 9h moins quart, vous devez être là. Déjà, le recruteur va dire, voilà, là, j'ai une personne sérieuse. Il est à l'avance. Vous devez être prêt. Et vous devez être ponctuel. Ça donne déjà une bonne image du délégué. En plus de ça, il faut être présentable, bien sûr. On ne va pas se pointer en short ou en chemise avec des fleurs, etc. On ne va pas partir à la plage. On va faire un entretien d'embauche. C'est sérieux, c'est professionnel. Donc, chemise, cravate pour les hommes, tenue classique pour les femmes. Éviter trop de couleurs ou des trucs tape à l'œil comme ça. Être ponctuel, être sérieux, être bien rasé. Même, il y en a qui disent, il y a des labos qui acceptent l'ahya bien rasé, il y en a qui n'aiment pas. Carrément. D'ailleurs, j'ai un ami, Maratrella avec une petite barbe comme ça, je suis avec la superviseur, donc, pour éviter ce genre de désagrément, vaut mieux être rasé, être bien préparé, etc. Il faut toujours avoir un CV sur soi, parce que dès qu'on rencontre le recruteur, il va vous demander votre CV. Il va vous poser des questions tout en regardant votre CV. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que vous dites n'importe quoi? Il va vouloir comprendre certains points, etc. Vous devez être aussi bien renseigné sur le labo. Par exemple, un labo multinational, vous tapez sur Internet, vous trouvez les informations, est-ce qu'ils ont fusionné avec un autre labo, la gamme du labo, est-ce qu'ils travaillent avec un autre, une gamme, leur cardio, ophtalmo, dermato. Vous aurez une idée comme ça. Comme ça, s'ils vous posent la question, que savez-vous sur le laboratoire, vous allez répondre, je sais ceci, que vous travaillez. Dans le dermato, par exemple, dans l'ophtalmo, que vous êtes implanté dans 15 pays, il va se dire, voilà, c'est une personne sérieuse qui s'intéresse. Puis, toujours le regarder dans les yeux. Mais si vous êtes dans le stylo, la mabot à la sec, ou là, ça fait désintéresser. Ça va le déranger, donc il faut toujours le regarder dans les yeux et suivre ce qu'il veut. Écouter, l'écoute active aussi. Il faut toujours écouter ce qu'il dit, puis répondre. Et bien sûr, il faut être déstressé, il faut être à l'aise, parce que lui, il cherche un employé, vous, vous cherchez un emploi. Il ne va pas vous torturer, il ne va pas vous traumatiser, vous allez juste discuter. Si vous êtes le profil qu'il recherche, ça va inchallah marcher. Donc, il ne faut pas trop stresser, ce n'est pas un interrogatoire, c'est juste un entretien, on va parler. Lorsque vous serrez la main, il faut avoir une poignée ferme. Voilà. On va passer aux questions lors d'un entretien d'embauche. La première question, c'est toujours la même. Présentez-vous. Alors là, ne parlez pas de votre vie, ne parlez pas trop. Une brève présentation de vous, parce que ce qui l'intéresse, c'est votre nom, prénom, âge, si vous avez une expérience, si vous avez fait quelque chose de spécial, ou un diplôme, surtout si vous avez la carte jaune pour les hommes, très très important, pour éviter ce désagrément, vaut mieux parler de la carte jaune. Voilà, à dire la présentation. Ni plus ni moins.
puis il va vous demander qu'est-ce que c'est qu'un délégué médical ou là, quel est le rôle du délégué médical. Alors, c'est très simple. Le rôle du délégué médical, vous allez dire, c'est de promouvoir des produits auprès de médecins et de pharmaciens et de remonter les informations du terrain à mes supérieurs. Voilà, en résumé, c'est ça. Voilà le travail du délégué médical, c'est la vente, mais il faut jamais dire c'est la vente. Je ne sais pas pourquoi il déteste ce mot. Puis le recruteur va vous poser la question, vendez-moi ce stylo. C'est très classique, c'est très courant. On va laisser cette question en dernier. On va d'abord passer à la question suivante. Pourquoi vous et pas un autre? Déjà, lorsqu'il arrivera à ce point, c'est qu'il est intéressé. Parce que par cette question, il cherche un bonus, quelque chose de plus. L'HBO Profil Tech, il veut vous voir vous démarquer des autres. Là, n'allez pas dire je suis sérieux, je suis ponctuel, je suis ceci, parce que tout le monde va en répondre comme ça. Personne ne va lui dire non, moi je ne suis pas sérieux, etc. Là, il faudra donner quelque chose de plus. Par exemple, si vous êtes fort en informatique, vous allez lui dire, je suis très fort en informatique, j'ai fait des formations, Word, Excel, je maîtrise très bien, surtout le Word, Excel, ils sont très, très demandés. Le métier de délégué, parce qu'on travaille énormément avec l'Excel. Vous allez lui, voilà, je suis fort en informatique, par exemple, ou là, quelqu'un a spécial, je sais créer des sites, ou là, je sais, par exemple, le docteur Sausen pourra dire, voilà, je suis une très bonne organisatrice, j'ai organisé des conférences pour les vétérinaires, etc. La hart comme hart comme pour les vétérinaires, vous pouvez dire, bon, moi, nous avons des patients qui ne parlent même pas, qui sont des animaux, et on arrive à les comprendre. Donc, on arrive à comprendre n'importe qui, on arrive à bien analyser les médecins, etc. Voilà. Puis, à la fin, khlas, il va vous demander si vous avez des questions. N'allez surtout pas lui dire non, j'ai pas de questions, ça va, tout va bien, etc. Ça, il va se dire bon, il n'est pas intéressé ou là. Il faut toujours poser des questions. Commencez par, je sais pas, par exemple, je vais travailler dans quelle gamme? Cardio, dermato, etc. J'aurai quel secteur si je travaille? Je travaille en collaboration avec d'autres délégués. Est-ce que je serai seul sur le terrain? Est-ce qu'on a beaucoup de produits? Intéressez-vous au métier et au poste et à l'entreprise. Adam, les questions, évitez de parler de salaire, là non. Parce que si votre profil l'intéresse, il va vous appeler pour un deuxième entretien. Enfin, le deuxième entretien, il va faire les détails, le salaire, le dossier à fournir, les heures, etc. Voilà. Pour les questions, on arrive à la question, vendez-moi ce stylo. Comment on va vendre ce stylo? Une erreur à surtout ne pas faire, c'est de parler des caractéristiques du stylo. Mais tu peux dire, bon, j'ai un stylo, il est bleu, il est tout mêlé, il les gens s'en fichent. Lorsque vous allez acheter un stylo, lorsque vous entrez dans une librairie, on s'en fout si le stylo a une lampe électrique ou là si le stylo fait méta ou là. Ce qui intéresse, c'est que le stylo écrit bien. Donc, on va utiliser une technique de marketing qu'on appelle AIDA. AIDA, c'est quoi? Le A, c'est l'attention. I, c'est intérêt. Le D, c'est le désir. Et le dernier A, c'est l'action. On va d'abord commencer par attirer son attention. On va être il s'intéresse. Comment il s'intéresse par des questions, puis susciter son désir et terminer par l'action. C'est la vente en général, l'action. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, pour lui vendre le stylo, vous êtes un vendeur, lui c'est un client. Vous allez commencer par attirer son attention. Bonjour monsieur, vous êtes très élégant, par exemple. Est-ce que je suppose que vous travaillez dans une banque ou dans une entreprise? Il va vous dire oui, je travaille dans une entreprise, c'est bien. Là, on va commencer par s'intéresser à lui. Est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser des stylos? Il va vous dire oui, bien sûr. Pour quelle raison?
Par exemple, pour écrire des contrats, pour signer des contrats de fusion, pour signer les fiches de paie, etc. Donc, à la fin des réunions, il utilise le stylo. Alors, on va commencer par le laisser désirer le produit tenant. Par exemple, le stylo là, vous allez lui proposer un stylo, vous allez lui dire, par exemple, le stylo Texar, qu'il porte un costume bleu. Monsieur, voilà, je vais vous proposer ce stylo qui est très élégant. Il sort très bien avec votre costume. Vous allez vous démarquer lors de vos réunions. Là, vous devez inventer. Clouette la technique tiao, clouette comment il fait pour susciter le désir. Parce que les gens n'achètent pas par raison, mais ils achètent par émotion. Par exemple, vous voulez acheter une nouvelle voiture. La plupart des gens ne vont pas dire bon, je vais chercher meilleure qualité, prix, Hyundai, Kia. On achète toujours la marque qui nous attire, qui nous plaît. Donc, vous allez jouer sur les émotions. تخليه كي هز لو ستيلو ده تبان له شغل حاجه كبيره شغل لو جا زين بيه شغل فليرين فاس ديماركي لا vous augmentez son désir puis vous passez à l'action vous lui dites par exemple notre stylo est en édition limitée un stock très limité pourrait tomber en rupture très prochainement je vous invite à en profiter très rapidement et voilà vous avez conclu votre vente. Bien sûr, on ne peut pas toujours conclure les ventes par une vente. Ça t'aslach, ça m'aslach, mais là, je vous parle de technique. Voilà, c'est pour la question, tu as vendu ce stylo. Là, vous aurez terminé votre entretien. Là, je vous le profil TEC ou là, j'ai tout. D'ailleurs, une petite parenthèse, les goulikaou, ils ont expérience, etc. Non, les laboratoires, qu'avec mes aïts, qu'au chauffe CV TEC. S'il voit que dans votre CV, il n'y a pas d'expérience, s'il cherche une personne avec une expérience, il ne va pas vous appeler. S'il vous a appelé, c'est qu'il y a beaucoup de laboratoires qui préfèrent eux-mêmes former les délégués. Que je le façonne à ma façon. Un délégué avec expérience, ou surtout quelqu'un qui fait un petit labo, donc il a une très mauvaise expérience. Ce sera difficile. Il dit que Mandouche expérience, ce sera plus facile pour lui de le former. Donc, s'il vous a appelé, c'est qu'il est intéressé par votre profil. L'expérience, etc. Donc, même s'ils appellent d'autres personnes avec vous, entretien, un homme expérience, n'ayez pas peur. Vous avez plus de chances que les autres. Voilà. L'entretien, si vous êtes appelé pour un deuxième entretien, il faut connaître les différents postes au sein d'un laboratoire. Alors, les premiers postes, c'est délégué médical et délégué commercial. Les médicaux, médecin et pharmacien, commercial avec grossiste et pharmacie. Puis, il y a le superviseur régional. C'est quoi? C'est un petit directeur de région, par exemple l'Est. Il y a les délégués à Batna, il y a les délégués à Constantine, il y a les délégués à Sétif. Il y a un directeur à la région Est qui les supervise. C'est le superviseur régional. Superviseur régional centre, superviseur régional ouest. Puis, il y a le superviseur national. Superviseur national, il va superviser tout le territoire national. En général, il est directement avec les superviseurs. Il ne passe pas par les délégués. S'il y a une information à transmettre, il la transmet au superviseur qui, eux, vont transmettre au délégué. C'est purement bureaucratif, alors que le superviseur régional, c'est un peu des deux, terrain plus bureaucratie. Il y a aussi le chef de produit. C'est quoi un chef de produit? C'est un peu le même grade que superviseur régional, le même salaire, etc. Mais côté marketing, les ADV. Les ADV, c'est comme des livres comme ça, ferme les produits et toutes les informations sur le produit, que ce soit études médicales, des tests, comparaison entre votre produit et les produits concurrents, etc. Et vous allez présenter le produit, le médecin B, c'est un ADV. Puis il y a les flyers, il y a les dépliants, les stylos, tout le matériel promotionnel, beaucoup, c'est au chef de produit de le faire. Et au chef de produit de trouver les études
qui vous favorise par rapport à vos concurrents. Vous voyez avec le message marketing, les médecins tech. Puis il y a le directeur national, directeur Afrique, directeur international pour les labos internationaux. Donc, c'est Khedmat, H24 Khedmat. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je connais le directeur Afrique de Pfizer. Il a dit que les États-Unis, les Tayara, les Saladar, les Algiers, les Saladar, les Tayara de la France, les Tayara de la Suisse, etc. Ils sont internationaux, des Tayara, des boulots, des. Donc, comme métier, c'est très difficile. Donc, vous n'allez pas les voir. Même si vous travaillez dans le labo, vous allez le voir peut-être une fois par an. Bon, on passe maintenant à la visite médicale. On va dire que vous avez été pris, vous êtes délégué, Mobrok. Comment vous allez vous organiser, qu'est-ce que vous allez faire, comment travailler, etc. Bon, on va commencer par la pharmacie. Parce que vous êtes délégué médical, vous avez des produits. Ou je dire, avant de le médecin directement, tu as le produit tech. Imagine le produit tech, mais quand je fais la pharmacie, il va prescrire. Le malade va à la pharmacie, ne trouve pas le produit, il est le médecin va arrêter la prescription. Donc, on passe d'abord par les pharmacies pour faire une petite enquête. Pour la pharmacie, bonjour, ça va, ça va. Je suis délégué médical au sein du laboratoire FLEM. Je viens vous demander, s'il vous plaît, vous allez demander si votre produit, vous avez par exemple 3-4 produits, s'ils sont disponibles. D'accord, ils sont disponibles. Très bien, s'ils ne sont pas disponibles, essayez de savoir pourquoi, est-ce que vous ne les trouvez pas. Vous appelez le commercial, lui, il va assurer la disponibilité. Bon, s'ils sont disponibles, vous allez demander la rotation. Produit A, est-ce qu'il marche bien? Est-ce qu'il y a une bonne rotation? Par exemple, ça va, 5 flacons par semaine, etc. Vous allez demander aussi les concurrents. Il faut bien connaître la concurrence. Le concurrent, est-ce qu'il y a? Donc, le concurrent, il se 20 flacons par semaine. Il se 3 flacons par semaine. C'est qu'il ne marche pas. Et on va devoir travailler sur le produit des mimchis, beaucoup plus. Parce que qui est le médecin, on ne va pas lui faire une présentation de tous les produits de A à Z. C'est impossible. Ça va prendre énormément de temps. Il va y ça c'est une disponibilité, si on peut faire, parce qu'il y a des délégués, le gars médico-commercial, il donne les bons de commande, il assure la disponibilité, puis il ira chez le médecin pour lui présenter le médicament et lui parler du médicament. Comme on a dit, rotation. Puis on va chez le médecin. Chez le médecin, il y a un matériel promotionnel. L'ADV, flyer, etc. Chez l'IATEUCOM, chaque labo a son propre matériel. Qui maintenant, par exemple, l'IATEUCOM a l'ADV. Il y a d'autres labos, les stylos, les bavettes, les cadeaux, chez Okulch. On passe d'abord par l'infirmière, bien évidemment. Essayez de dire, surtout le bénédicte de l'homme, s'habite comme. Parce que vous allez comme rapidement, vous allez comme je suis dans la salle d'attente, bzef. Parfois, c'est le médecin qui décide, mais la plupart du temps, c'est les infirmières. Donc, il vaut mieux sympathiser avec eux. Ou en même temps, les infirmières, ils te regardent comme une idée. Si le médecin est potentiel, ou je mets ça potentiel, maintenant le rachis. Un médecin qui voit 10 patients jour, mais qui un médecin qui voit 80 patients jour. Un médecin qui voit 80 patients jour, il va travailler avec lui, parce que il va vous aider dans le business. Parce que je vous dis, chaque délégué médical a des objectifs. Parce que le délégué médical, c'est la vente. Il dit qu'il y a un objectif. Par exemple, 100 000 euros par an, plus les objectifs à chaque médicament. Médicament, il y a 30 000, il y a 40 000, des objectifs à atteindre. Si vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, première année, ce n'est pas grave. Après 2-3 ans, on te dit que je fais des objectifs, c'est sûr, ils vont vous renvoyer. Les objectifs. Bon, vous avez des objectifs, donc vous allez vous baser beaucoup plus sur les médecins qui ont du monde. Pour ça, vous allez passer par l'infirmière. Vous allez lui demander, bien sûr, indirectement,
وش راكي سافا لاباس تا 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 تبان لي غول بانا عندكم غاشي اليوم تبان لي بزاف سو جو باس ابخي اكسيتيرا تقول لك وي غاشي واش كده اليوم باغ اكزومبل تقول لك طون اه داكور فوز اوري اون ايدي 3 4 5 فوا فوز اوري كو ميم اون ايدي دو نومبر دو باسيون باغ جور ابخي بون دخلك عند لو ميدسان لي ميدسان ما تخافوش منهم لا بلوبار دو طون يقول لك هاو ميدسان وحاجه كبيره شي كلش نو اون بلوس لا بلو كاين بزاف لي ميدسان تقول داخل السوق سي دي ميدسان فريمون نيفو تري تري با يا دي ميدسان فريمون او نيفو الله يبارك دونك فوز الي ايسيي دو كومبروندر لو ميدسان هذا لو بروفيل تاعو اسكو سي ان ميدسان كي ام ديسكوتي اسكو سي ان ميدسان كي بريفير دي فيزيت كورت Est-ce que c'est un médecin qui aime bien les délégués Est-ce que c'est un médecin qui préfère Donc, il vous allez le déranger. Il ne va pas vous écouter. Votre visite ne sera pas efficace. Donc, vaut mieux mettre le médecin toujours à l'aise. Tu le temps de ou le temps de par exemple, carrément. Tu vas sortir avec lui, tu vas avec C'est bien de sympathiser avec le médecin. Chauffe le profil tiao. Est-ce que c'est un médecin scientifique? Vous allez parler purement scientifique. Si c'est un médecin, par exemple, il y a de la soirée, est-ce que vos produits remboursables, est-ce que vos produits d'accord? Vous allez jouer sur l'aspect pécunier. On va jouer sur l'argent. Par exemple, produit remboursable, vous allez insister sur le côté remboursable. En tout cas, la première visite, ça sera Hestarov. Vous allez vous connaître, discuter, savoir où c'est d'achalek, etc. ومن بعد لي يوليو لي فيزيت تولي ترا عنده وتتفاهموا كلش في لي دوزيام ترويزيام كاتريام فيزيت كومون بريزونتي لو برودوي اون انتر شي لو ميدسان ديسكوت ان تي بو افيك ان بتيت رمارك ان بتيت بلاك بور لو ماتر اليز ماشي تدخل كي الروبوت راه ديريكتومون دكتور جي برودوي تا 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 تي خارج راح يتحكي عليك ولا راح يخلق ولا مش هيسمع لك كاريمون دونك سي ان هيومان كوم فو surtout que tu lui t'arrives au chouïa le profil tiao, s'il aime bien blaguer, rigoler, s'accélérer à la sarto, les enfants, etc. Une petite remarque sur le cabinet, vous avez un beau cabinet, ça sent bon, etc. Vous le mettez à l'aise, puis vous savez, si votre médecin par exemple est scientifique, vous sortez votre ADV, vous allez parler du produit A, n'allez pas parler de 10 produits, puisque vous choisissez un produit. À chaque visite, vous ferez un autre produit ou là, une autre étude. Vous allez directement partir à l'étude qui intéresse le médecin. Par exemple, il est scientifique, vous allez parler du côté scientifique. Un antibiotique, il est à large spectre, il touche ceci, il touche cela. Notre corticoïde, il est mieux toléré que d'autres. Ou les études scientifiques. Les chevaux purement commerciales, etc., vous allez lui dire, vous allez lui sortir la DV, il y a toujours tous les détails. Notre produit est remboursable comparé aux autres, ou là, il est moins cher que les autres, etc. Bon, ben, il y a le traitement d'objection. Le traitement d'objection, on va l'avoir après. Les objections, c'est quoi? Il y a des vraies objections et de fausses objections. Objections. Sur le médecin, c'est les questions des médecins. Il y a des questions qui sont légitimes, il y a des questions les surtout qui sont mis en chemin ou le labo tech. On va y revenir après. Et on va conclure la visite par l'action qui m'a connecté dans la drogue bill. On essaie de demander la prescription. Lesquels, par exemple, dois-je dire, mais Arfouch, docteur, j'espère que vous allez l'essayer sur des patients. Vous allez me donner un bon feedback. J'attends votre réponse la prochaine fois, Inch'Allah. Faites profiter vos patients, etc. Chaque délégué a son empreinte. Chacun sa technique. Parce que vous avez de meilleures techniques. Voilà, nous lisons les objections. Donc. Il y a des objections vraies. Par exemple, est-ce qu'il est disponible? Est-ce qu'il est remboursable? Est-ce que votre produit Hado, c'est des objections bien simples et nettes. Mais il y a des objections simples qui m'a par exemple, votre produit n'est pas remboursé.
وعلى بالو كهدرتو بازم ديجا ودي هضر هالك. جامي 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 نعكسو الطبيب، جامي نقولو اه نو دكتور ولا ايه ايه مي لا غالب و نو يفو توجور وي دكتور جو كومبرون دكتور فوتر انتيري بور لاسبي بيكوني دو فو باسيون. Cependant, docteur, je tiens à vous informer que notre médicament a fait l'objet de deux commissions. Donc, faites-moi comprendre que la commission ministérielle a dit chaque médicament doit passer par deux commissions. Une commission scientifique et une commission commerciale. Khdem ta médicament, tu as dit à la première commission scientifique, il te demande de ma fiche des effets secondaires énormes ou de efficace. Puis la deuxième. Commission commerciale, les rythmes de le remboursement. Est-ce qu'il sert en remboursement? Est-ce qu'il est essentiel? Est-ce qu'il est fait pour les maladies chroniques, etc. Ce qui les compléments alimentaires, le gouvernement tiana, ils estiment que non, ils ne devraient pas être remboursés, c'est du luxe. Donc, il y a des médicaments qui sont sur le marché, ils ne sont pas remboursables, mais après 2, 3, 4 années, ben, ils sont remboursables. Donc, vous allez lui dire qu'il passe par les deux commissions à dos. Inch'Allah, ceci, grâce à votre prescription, cette étape sera fortement accélérée. Votre produit est cher. Par exemple, on va donner un exemple. On a un flacon, un collier, 10 ml, qui fait 1000 dinars. En général, 10 ml, qui fait un gololo, docteur. Toujours rester poli, docteur, cher par rapport à quoi? C'est égal, par exemple, au concurrent, là, c'est cher pour le patient algérien, 1000 dinars, c'est beaucoup pour lui. Oui, docteur, je comprends votre intérêt, etc. Mais docteur, la santé n'a pas de prix. A dit Beina. C'est au médecin d'évaluer les patients. La santé, je ne sais pas faire. Ou comment on va lui expliquer que 1000 dinars, enfin flacon, c'est pas énorme. On va faire un calcul simple. 1000 dinars divisé par 30 jours. Le flacon, ça fera environ 330 dinars. Voilà. Ça fera environ 33 dinars par jour. Ou chihuahua, 33 dinars par jour. Le kahwa croissant, c'est plus cher que ça. Ou la karaju, 5000. Elle est. Fqaraju il sort tôt quand il s'agit de santé beaucoup c'est beaucoup, c'est énorme. 33 dinars jour, c'est rien du tout. Donc docteur, lazm tali twa'i les patients tiak ou tfehmhom blli la santé n'a pas de prix. Une autre question aussi, votre produit n'est pas efficace. Sa'at ana mra dkhalt 'ind médecin qui déteste le labo tana. ما تفهمش باسكو تقابلت مع لو ديغي اللي كان قبلي هكا تبدا تعكس فيك برودوي تاعكم لي باي فيكاس شي وكلش. هنا تسقسيها دكتور اسكو فو لافي اوتيليزي، تقول لك وي بيان سور. سور كومبيان دو باسيون؟ قادر تقول لك ان سول باسيون. قادر لو برودوي هذاك ما والمش عبد اخي، وكل قرينا لا فيزيولوجي، شاك اوما ا سا فيزيولوجي. قادر اوكان ميديكامون ما يفيد في العبد هذاك. دونك il faudra qu'elle le teste sur au moins 10 personnes, par exemple, ou la 5 personnes au moins, pour avoir une idée sur l'efficacité du produit. Donc, docteur, je vous invite à l'essayer sur plusieurs produits, sur plusieurs patients, pardon. Elle peut vous dire, je l'ai testé, il n'est pas efficace au collège. Est-ce que c'était pendant une période précise? Le pharmacien, il a un lot périmé, ou là, il a été mal conservé, il y a des médicaments qui doivent être conservé dans le frigo, le gars, le vendeur de la pharmacie m'a appelé, je l'ai fait chez lui, il est moins efficace. D'ailleurs, ça reste un lot, tu as les colis, beaucoup les hargos dans les yeux. Quand tu as le médecin, il dit ah, votre produit donne des irritations. Ah, et la question numéro 4, votre produit a causé des irritations, les patients, c'est pas ça, alors que normalement le produit a une les irritations. Là, je vais poser les questions, je vais poser des questions. Elle m'a dit, oui, c'était la semaine passée, j'ai eu plein de patients, les patients, tous les patients se plaignent. Je lui ai expliqué que peut-être c'était un lot, c'est le pharmacien. Je lui ai dit d'arrêter la prescription, c'est des 10-15 jours, après de se remettre prescrit. D'ailleurs, c'était la deuxième fois, les rachetés là. Essayez cette fois, le pharmacien dit, ben, notre lot,
Inch'Allah, alhamdoulilah, le dark a été ktoub, il n'y a pas de souci. Donc, il faut toujours faire une enquête, essayer de comprendre où est le problème. Ou, en général, la plupart des médicaments, ils sont efficaces. Qlil, ou un médicament, il n'est pas efficace, khlas. Surtout les labos algériens, ils ferment le mushkul. Mais vous pouvez jouer sur d'autres choses. Votre produit, voilà. Votre corticoïde a augmenté la PIO. Alors, la PIO, c'est pour l'ophtalmo. Les rhumatophtalmos, c'est la pression intraoculaire. Les corticoïdes sont connus, la pression intraoculaire, elle peut causer un glaucome. Donc la réponse est de réduire le nombre d'instillations. C'est le traitement, c'est tout. Alors, vous êtes une entreprise arabe. Les médecins, mais une fois, j'ai eu ce problème-là. C'était à Gigil avec une dermato. Trels, bonjour docteur, ça va, je me suis présenté à Dartla le laboratoire. Qu'est-ce que tu m'as le traitement mal khawana? Comment? Qu'est-ce que tu as le traitement mal khawana? Qu'est-ce que vous êtes une entreprise saoudienne ou saoudienne, machorine, c'était l'assassinat du journaliste turc. Vous êtes des assassins, vous travaillez avec les États-Unis, vous avez rien à foutre des Arabes, etc. Bon. Ça ne fait pas professionnel déjà de la part du médecin, mais il faut rester professionnel. Je lui ai répondu tout simplement, docteur, on est une entreprise saoudienne arabe, certes, mais on n'est pas une entreprise qui fabrique des armes ou là, des trucs chimiques ou là, on fabrique des médicaments. C'est des génériques, c'est des produits américains, européens. Ils sont très efficaces. D'ailleurs, je vous invite à les essayer et vous allez être surprise, docteur, par leur efficacité. Où ils sont disponibles et tout. On n'a rien à voir avec les problèmes politiques. Et d'ailleurs, je lui ai posé une question. Est-ce que vous utilisez tel produit? C'était un produit français. Elle m'a dit oui. Est-ce qu'il est efficace? Get lui oui. Vous êtes pourtant les Français. Vous pouvez aussi répondre. Quel est le problème? Vous êtes une entreprise arabe ou sectiste. Quel est le problème? Nous sommes une multinationale présente dans plusieurs pays. On intervient dans plusieurs domaines thérapeutiques, on a des produits de qualité. Vous êtes par exemple un labo algérien, Barc. Donc là, on est implanté dans tout le territoire national où les produits, ils sont partout. Alhamdoulilah, ils sont efficaces, ils donnent de bons résultats. On a des projets d'expansion, par exemple, en Tunisie, etc. On a un grand problème avec les délégués médicaux, c'est les prises en charge. Alors, les prises en charge, c'est quoi? Normalement, le laboratoire fait une rotation. 10 médecins A, B, SNA, 10 C ou D, etc. Et qui connaît un médecin qui ne prescrit pas classe, vous ne pourrez pas investir fait un médecin qui ne prescrit même pas. Même le laboratoire, c'est qui parce que c'est un investissement. Le délégué, sur l'endo, un budget. Un budget, c'est les prises en charge. Le budget, c'est un résultat. Donc, vous me prenez en charge, puis je prescris. Je comprends, docteur, votre intérêt pour les FMC. C'est les formations médicales continues, on a les congrès. Toutefois, je tiens à vous souligner que notre approche du partenariat repose sur le triple gagnant. Parce que la caisse des partenariats, la caisse des formations médicales continues, c'est un partenariat entre vous. On dit que notre approche du partenariat repose sur le triple gagnant. Patient, médecin, JP, c'est le laboratoire. Et laboratoire. Donc, dans ce sens, nous vous invitons à faire profiter vos patients des avantages de nos produits. Et cela vous permettra à développer votre propre expérience sur nos produits. Et les portes restent ouvertes. Donc, je vais vous l'inciter à prescrire d'abord avant de l'emmener en prise en charge. Parce que là, quand il y a des prises en charge, ils vous reçoivent même pas. Donc, vaut mieux garantir que vous aurez un partenariat avec votre médecin. Peut-être faire moi le médecin, il va prescrire, qu'on connaît le produit. Et pourquoi pas, à cause des prises en charge, vous aurez une rotation. Quand il dit que vous avez pris tel médecin et pas moi. Allez. Alors, vous répondez aussi pas. On fait une rotation, docteur. Toujours pas, je comprends votre intérêt, etc. On fait une rotation, docteur.
Cette année, si vous n'êtes pas parti avec nous, on a pris peut-être quelqu'un d'autre, mais l'année prochaine, Inch'Allah, vous irez avec nous, vous serez avec nous. Mais en attendant, docteur, voilà. Aouni, docteur, tel produit. Inch'Allah, je vous oublierai pas l'année prochaine, vous serez en tête de liste, etc. Vous avez une politique très agressive, c'est donnant-donnant. Bon, on va pas se mentir entre nous. Dernier hadith, c'est toujours donnant-donnant. On n'a rien sans rien. Ouais, demain, il dit que cadeau voyage ou la cadeau à quelque part. J'ai mis tête de chef terre et que le croyage est billet d'avion. Donc, c'est la même chose pour les laboratoires. Les laboratoires, s'il a créé un produit, c'est pas pour les beaux yeux du médecin, c'est pour vendre. Alors, pour vendre, le médecin doit prescrire. Et donc, c'est donnant-donnant. On ne va pas se mentir. Mais on va essayer d'être un peu politicien, on va être gentil. D'accord, docteur, nous avons une politique de partenariat où là, nous avons une politique de rotation. On emmène les médecins à l'Aounouna. Aounouna, docteur. Et l'année prochaine, ou l'Aliora, Inch'Allah, on ne vous oubliera pas. Triple gagnant. Faites profiter vos patients. Et comme ça, Inch'Allah. On sera de bons partenaires. Il y a un congrès le mois prochain. Et moi, il va vous booster les ventes. On le congrès. On me dit que on les médecins. Alors, vaut mieux l'abdi. Permettez-moi, docteur, de vous informer que notre politique de prise en charge obéit à des critères bien particuliers. Dans la période de l'événement, ne doit pas être inférieur à 6 mois. Donc, le un congrès, 6 mois. Par exemple, il y a un congrès, d'accord, donc il n'y a pas de souci. Je vais vous proposer auprès de nos supérieurs, Inch'Allah, la liste, même médecin avec les prescriptions, une question très fréquente qu'on va entendre souvent avec les médecins. Vous êtes ingénierique ou là votre produit est ingénierique. Je préfère les princeps, je préfère les grands labos, je préfère AK. Donc, à 2020, 2019, c'est devenu une tendance. Tous les grands labos, oui, docteur, on est ingénierique, mais je vous avoue que la tendance mondiale des multinationales va vers les génériques. Pfizer, Novartis, Sanofi, ou le Bukhari, les génériques. Elle est. Parce qu'un produit, il peut coûter des millions d'euros pour être développé. On va dédier un petit labo, il va le génériquer, ou il recrute de bons délégués, il va concurrencer le grand labo. Donc, tous les grands labos, même, ils font toujours la recherche, le développement, etc. Mais ils génériquent d'autres molécules pour agrandir leur gamme, pour vendre. Donc, c'est devenu une tendance. Mais ce qui compte vraiment, c'est l'efficacité du produit. Et tant que vous êtes satisfait de votre produit, vous pourrez convaincre le médecin et le médecin sera convaincu et pourra prescrire et changer la prescription. Tiens. La dernière question, c'est propre à mon laboratoire. On va l'éviter pour le moment. Pour conclure, on va parler des avantages et des inconvénients de notre métier. Un des grands avantages, Inès Boukouli, c'est un bon salaire. Oui, vous avez un bon salaire, mais vous avez beaucoup de dépenses. Parce que Haxbet fait un hôtel, vous avez beaucoup de déplacements, l'entretien de la voiture qui coûte énormément. Mais ça va. Par rapport à Wadi une poste, alhamdoulilah, vous êtes bien payé. Deuxième point très important, la capacité de s'organiser tout seul. C'est ce qui est bien. La délégation, c'est que notre sabah, par exemple, le habtredem, si vous êtes matinal, 7 h, vous terminez à 15 h, vous rentrez à 15 h, vous terminez à 14 h, vous rentrez à 14 h. Bon, il y a des labos qui surveillent les délégués, qui préfèrent que le délégué prend son temps. Mais chez Tani, le médecin, ça ne fait pas professionnel. Votre message ne sera pas efficace. Et donc, les résultats vont baisser. Dès que le superviseur va voir des résultats en baisse, il va commencer à surveiller le délégué.
C'est sûr que ce délégué ne fait pas du bon travail. Il gère trop à bikri, il bdaï ass alik, il bdaï assek, il bdaï hatta alik, il bdaï qalqek. Tibda la pression, il bdaï le stress. Donc vaut mieux être il faut s'organiser, faire un équilibre. Tibda par exemple 9h, 14h, 15h qui se khalas, c'est bien, c'est on bête le changement. Ce qui est bien le travail tana نهارك في جيج نهارك في ميلا نهارك في سكيكدا كل مرة راك في بلاصة يا لي ريونيون ساعات ريونيون في أجي ساعات ريونيون هنا ساعات يا دي كونغري يبعتك انت لي مع لو ميدسان اكومبانياتور دايوغ جو في فو بارلي دي كونغري كومون سا سباس باغ اكزومبل فو بروني ان شارج 3-4 ميدسان يا دي لابو كي اونفوا كو لو سوبرفيزور كاين دي لابو لي يبعتو لي ديليغي معاهم تروح اكومبانياتور سا فو دير زالي اورغانيزي شغل اون كونفيرونس تشوف لي كونفيرونسيي و ريزيرفي لي طابل لي شامبر هادي خدمة لو ديليغي في لي في دي في لي بريز ان شارج كو سوا هنا ان الجيري ولا ا ليترونجي لو ديني غالا اكسيتيرا سي لورغانيزاسيون اي او ميم طون هاي تحويسه هاك الدور هاك تحوس اكسيتيرا يا اوسي لي بريم ان فان داني فوزافي اتان فوز اوبجيكتيف كي تعدي لي زوبجيكتيف تاعك الفوق فوزافي دي بريم ça peut être un voyage de motivation, ça peut être sword, il y a des labos qui mettent dans les primes, tout labo qui fait rien. Ça dépend. Les inconvénients de notre travail, c'est beaucoup de déplacements. Surtout les dames loulettes, femmes avec des enfants, surtout jeunes, change chouia. اك جيجل تبات في جيجل ديبلاسمون تبكر الصباح ساعات تطول في الخدمه تحكم حتى الخمسة ستة بات تروح يا ساعات تروحوا 20h 21h دونك سي انورميمون ديبلاسمون سي اون غراند ريسبونسابيليتي يفو العبد يدير حسابو لا بريسيون اي لو ستريس سا ديبون دي لابو اوسي يا دي لابو يا انورميمون دو بريسيون انورميمون دو ستريس توجور فوندر بلوس توجور بلوس توجور بلوس ولا يشوفك شويه ماكش خدام ولا عييت ولا راهي حاط عليك بريسيون انورم سا ديبون اوسي دي لابو كاين و يا با دو بريسيون خلاص كاين دي لابو ما كاينش ديبلاسمون يقولك تخدم غير هنا في قسنطينه مي لو سالير سي سور اي فا افيك انستابيليتي لا c'est un métier qu'on va, on va dire on peut pas le faire toute sa vie donc c'est de quoi tu as fait la bouffrite il sera un problème par exemple il y a eu le problème de l'importation qui a été arrêté tous les labos devaient investir en Algérie avec un partenaire algérien qu'un des labos il dit que mais je me suis allé à l'Iran mais je suis allé ils ont plié bagages il y avait le laboratoire Alcan il y a eu plein de laboratoires ils ont plié bagages les délégués se retrouvent au chômage du jour au lendemain Il y a une petite indemnité, tu as 50 ou 60 millions. Et tu as besoin de faire Mais à l'heure où déjà les labos qui ont Il y a eu beaucoup de chômeurs qui ont fait l'indemnité, qui ont même pas eu l'indemnité. Il y a eu pas mal de problèmes. Donc, c'est un boulot, on va dire, n'est pas vraiment stable. Il y a des labos vraiment très stables qui ont fait Pfizer ou la Sanofi. Mais il y a que les résultats de la guerre, 2-3 années sans atteindre ses objectifs, il y a que c'est le mois. Donc, ce n'est pas vraiment très très stable comme boulot. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à te faire. Merci docteur Belkhiri pour cette présentation qui était vraiment sympa et bénéfique, surtout les conseils que vous avez donnés. Merci. Donc, je donne la parole à nos participants pour poser leurs questions, soit par le live Facebook ou dans la conversation ici Zoom. Sinon, vous pouvez tout simplement ouvrir vos micros et intervenir avec Raouf. Voilà, marhaba. Aïe, Ammar. En tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que cette formation vous aura plu, vous sera bénéfique.
Vous avez mon mail. Si vous avez des questions ou là, même après, n'hésitez pas. Je ferai le maximum pour répondre à n'importe quel moment. Inch'Allah, merci. Raouf, apparemment, il y a le rapport journalier. Oui, Manal Ben Zerwel. Oui, très bonne question. Le rapport journalier, il diffère des selon les laboratoires. Qui mène le laboratoire TAI, il c'est un fichier Excel, avec le tableau que vous allez remplir, pardon, avec les noms des médecins, nom, prénom, secteur, par exemple, en Bouaké, est-ce que je mène spécialité ophtalmo, dermato, gynéco, etc. Est-ce que c'est un cabinet ou là, est-ce que privé ou la public, le potentiel TAO, puis résultat de la visite. En bref, vous écrivez par exemple, j'ai dit ceci, il m'a dit cela. Il est content, est-ce qu'il prescrit, il prescrit pas. Puis, il y a des labos, c'est une synthèse. Vous écrivez quelques mots, les produits, est-ce qu'ils sont disponibles, pas disponibles, ce que vous avez vu, les pharmacies, est-ce que vous avez dit aux médecins, pardon, ce qu'ils prescrivent, est-ce qu'ils prescrivent pas, pourquoi ils prescrivent pas, s'il y a un problème. D'ailleurs, j'ai oublié de parler des problèmes. Si vous avez un problème avec un médecin, là, il faut informer son supérieur. Par exemple, le médecin d'Akmishtik, personnellement, il a un domouchkoul. Donc, il dit le superviseur Mac, un de médecin. Il peut donner une bonne image du laboratoire et du coup, vous aurez une bonne image. Le supérieur Mac, d'ailleurs. Parlons, docteur Belkhiri, des problèmes. Qu'est toujours le problème des conflits les délégués? Le conflit, Qui bon, fâche le. Oui. oui, il faut d'abord rester professionnel. Quel est délégué les macs le labo? Ça a une certaine concurrence, bah, c'est le poste de superviseur ou là, mais il faut toujours rester correct et professionnel. Le collecteur il dit que des coups bas, vaut mieux informer son supérieur ou là lui parler directement et rester toujours professionnel. Il faut pas entrer dans un conflit parce que tu les autres sont à la au fils de Oui. mais qui connaît par exemple un conflit bien ou bien le concurrent c'est très courant mais il faut toujours rester professionnel. Par exemple le médecin il dit au délégué avec fille ou fille ou fille c'est qui trop il vous corrigez. Par exemple le produit n'est pas efficace ou là ou là. Le docteur, vous avez essayé nos produits, vous savez qu'ils sont très efficaces. Vous êtes l'ADV, vous êtes nato les études, vous lui prouvez que vous avez un très bon produit, vous restez toujours professionnel. Le médecin il va remarquer, vous êtes professionnel, vous parlez que de produits. Voilà. Oui, ou ثاني كاين اللي يروح يخدم عند اون انتربريز كونكورونت في لونتروتيا يمدو له دي كيستيون على الجوب اللي كان يخدم فيها ويطيح هو في لو بياج. Non, d'abord, قادر تو تخدم مع لابو كونكورون مي في لي كونترا ان جينيرال لورسك فو سيني فوتر كونترا يا توجور لا كلوز بلي ما عندكش حق تخدم في ان لابو كونكورون 2 ans ou la 3 ans chaque labo qui fait كي سقسيك الاخر على دي كيستيون على لابو تاعك القديم تقول له اون افي ان ادفي اون افي دي زيتود خدمنا بهم لي زيتود دوك ساعتهم سي دي زيتود قدم ولا سي دي زيتود كي نيكزيست بلو ولا الاخر سي دي زيتود ريسونت مي تاع تال بروفيسور كي سوتيان فوتر لابو دونك فو لي ديت جو سوي سور كو فو اوسي فو افي دي زيتود افيك ليكيل اون فا بريزونتي avec lesquels je vais être convaincant ou bien on aura les médecins avec pour les produits comme ou les produits en plus j'ai un avantage je connais très bien la concurrence parce que je continue de marre donc c'est un point pour vous voilà D'accord. Donc, une question de docteur Bolossé. oui. Il a dit, vous avez parlé au début des 4P, oui, dans le marketing. C'est quoi les 4P et comment on l'utilise? On les utilise. Alors, les 4P, le marketing, c'est le délégué, mais c'est beaucoup plus le chef de produit. Product, promote, la promotion, le produit, comment le placer, comment où le vendre,
à qui le vendre هادو راح يخدم بهم الاخر لو شيف دو برودوي باسكو هو اللي يخدم الماركتينغ بوكو بلوس راح سي لوي كي فا شوازي باغ اكزومبل ملتي ناسيونال عندها 30 برودوي واش من برودوي ندخلوا للجزائر دونك يا اون ايتود افير ليتود هادي راح ماشي راح يديرها لو ديليغي سي با فو دو افير سي او شيف دو برودوي بلوس لو ديريكتور مع بعض ils vont faire une prospection sur le terrain les besoins du marché algérien ماكش حجيب ان برودوي اللي ميمشيش لهنا ولا اللي لا مالادي تاعو قليله هنا بازوم ايبولا مش حنجيبو دواء تاع ايبولا في الجزائر اون بلوس دو سا يشوف لو برودوي اللي يساعد لو بري تاعو الجزائر مش حنجيب ان برودوي يدير مليون اي فا تر تري مال فوندو دونك لي 4 بي سي بوكو بلوس بور لي شيف دو برودوي و دايور ميم لي لابو يفون فو فورمي chaque labo aide les entretiens t'ajbou يقبلك il va vous appeler pour une formation à les produits تاعهم ou une formation على le marketing et tout على حساب واش غتخدم انت كومبوست voilà une suite de la question du rapport journalier de Manal oui à chaque visite on demande le cachet هادي ثاني سا ديبون دي لابو كاين لابو يقول لك كاشي وصور يعطيك ورقه هو يقول لك لازم مثلا كاشي لك فيها وصورها لي كاين اللي يقول لك كاشي لي في كارني برك وصورها لي وبعثها لي كاين كيما انا لو لابو تاعي دوموند لي كون لابو جينيرال لي دوموند با لي كاشي يقول لك جوست في لو رابور نون برينون اكسيتيرا كيف يضمن بلي راه قاعد تشوف لي ميدسان قادر هو يعيط لو ميدسان قادر يتلاقاه كون يفيق بك مش قاعد تخدم سي لو رونفوا ديريكت شغل يفو يفو في كونفيونس jusqu'à preuve du contraire. Ou qu'un des laboratoires, il y a un cachet, il y a un cachet, ou qu'un des triches, il dit le carnet, il dit le cachet 6 ou 7 fois, à chaque fois, il se voit là où il va être. D'accord. Donc, je vais continuer les questions de Manel, puis je vais revenir aux autres questions. Gatlik, deuxième question, est-ce qu'on est censé faire des fiches médecins et les remettre au laboratoire? لي فيش ميدسان نو مي قادر يقول لك دير لي الاخر ان داتا ميدسان افيك ليكسل فو زالي فير ان طابلو حط فيه تو لي ميدسان اللي عندك فو زالي لي كلاسي بار سيكتور بوتونسييل كاين دي ميدسان بوتونسييل ا ان جينيرال سي فوق ال 40 باسيون بوتونسييل بي سي انتر 20 اي 40 اي بوتونسييل سي اللي عنده 2 3 باسيون جور وكاين لي بوتونسييل واش معناتها اسكو يكتب لك بزاف ولا لا هادوك ثاني فو لي كلاسي فو فات هكا اون فيش كبيره كو فو ميتي ا جور ا شاك فوا كي ان نوفو ميدسان ولا ان ميدسان كي شانج دو سيكتور مي فو لا فات كون سول فوا D'accord. Galtani, est-ce que le kilométrage de sa voiture est payé? Oui, bon, les laboratoires, comment ça se passe? Il y a le salaire de base. Puis, il y a l'indemnité véhicule. Parce que là, qui te jib ton mobile, il y a des labos qui limitent le kawa ton mobile, ou qui te jib ton mobile, je crois que tu crées hello. C'est mieux indemnité véhicule. Donc, vous avez salaire de base plus indemnité véhicule qui sont versés directement. Plus, vous avez la note de frais. La note de frais, ça diffère des labos. Qui est le kilométrage bain d'art, ou qui est le note de frais. Note de frais, c'est le nombre de kilomètres. Tu as vu le flan note de frais, par exemple, dimanche, Khdemt, Mbouaké. Constantine, Mbouaké, c'est 110 kilomètres. 110 kilomètres, tu as entre parenthèses, tout le monde fait 5 dinars à le kilomètre, 10, 15 dinars à le kilomètre. Donc, tu as vu le total. Tu as vu la fiche chaque mois. Ou tu as vu le superviseur, tu as signé et tout. ويسلكوك على حساب واش مشيت لو مو هذاك كاين فيها الكيلومتراج وكاين فيها ثاني لو باني اللي هو الغداء تاعك على حساب لي جور اللي خدمت هادو هما لو باني والكيلومتراج داكور اون اوتر كيسيون كي دوموند دو فو لو بوين دي بريز ان شارج بوفي فو ريبيتي جي راتي سويت ا لا كونيكسيون Alors, les points de prise en charge. Ouais, le point de prise en charge. Les prises en charge, en général, c'est quoi? C'est des formations pour les médecins. Ils diront à l'étranger ou là, en Algérie. C'est des formations médicales continues. Les médecins qui font
une prise en charge. Ça diffère des labos aussi. Quand il y a un laboratoire, il qui explique des prises en charge, qui m'explique, ils font une rotation. Ils ont les médecins beaucoup, chaque année, 2, 3, 4, 5, selon le budget. Le budget, c'est au délégué de gérer ça. Par exemple, le superviseur TAC a un budget de 4 inscriptions ou 4 hébergements pour tel événement. Et c'est à vous d'assumer vos choix. Donc, là, par exemple, les 4 médecins en Boaké, vous allez devoir vous justifier à l'aide des tomes ou bien des chauffer le résultat. Est-ce qu'ils prescrivent mieux? Est-ce que ça a donné des résultats ou pas? Donc, les prises en charge, c'est assez délicat, ou surtout la période dédiée qui est des médecins, c'est un peu très lève, il dit que le médecin d'ec, me dit Nishana. Donc, il faut rester professionnel et lui expliquer que vous faites une rotation et vous l'incitez aussi à prescrire, à vous aider pour que la prochaine fois, c'est des Inch'Allah. Voilà. Merci. Une question de live. Bonjour docteur, s'il vous plaît, quelle est la démarche à suivre pour qu'un labo participe, aide, finance un projet? Thèse DMV. J'aimerais entrer en doctorat avec un firme pour échographe. Ah oui. Avec un firme pour échographe portatif pour ma thèse 2022. Et merci. J'ai Alors, pour... pas. j'ai pas bien compris la Oui. question. Quelle est la démarche à suivre pour qu'un labo participe, aide ou finance un projet de thèse? Oui, bon, pour qu'un labo finance n'importe quel événement, que ce soit un congrès ou là, un projet ou là, le labo il a de l'intérêt à faire ça. En général, c'est une pub. Par exemple, lorsqu'un labo finance un congrès, alors, le congrès Hadek, il y a d'autres, par exemple, là, il y a l'ophtalmo, il y a les produits, tu as le labo Hadek, ou là, il donne des exemples, le labo Hadek, ils mettent des fiches à le labo, ils distribuent les cartables et tout ça avec le nom du labo. Donc, pour que le laboratoire accepte de financer un événement ou un projet, le projet Hadek fait faillite, tu as le labo. Comment contacter? Vous allez devoir chercher le superviseur, tu as le labo Hadek. Le superviseur, il a l'information, le directeur marketing ou le chef de produit, il chauffe si ça vaut le coup ou pas. Donc, vous pouvez, par exemple, sur Facebook, demander à quelqu'un de déléguer lire de mots tel labo, lequel vous avez un labo précis en tête, ou le superviseur ou là, le délégué, il comme l'information. Mais en général, les icônes, le même thème que lequel le labo de l'ophtalmo, le projet de l'ophtalmo, etc. Voilà. D'accord. Une autre question. Ce qui concerne les visites hors wilaya, il y a des labos qui payent directement les hôtels, Ouais. etc. Et il y a ceux qui ne payent pas. Mais après, il faut les factures. Donc, oui, il y a des labos. Donc, ça, c'est différent selon les labos. Donc, qui traitent hors wilaya. En général, hors wilaya, quel est le laboratoire quand ça dépasse 100 km, c'est hors résidence, on dit HR. Qui m'a le labo, qu'un des labos, il 150 km. Enfin, le HR TAC, en général, c'est 2, 3 jours. Traitement fait. Donc, vous allez passer des nuits, les laboratoires, des hôtels. Kane, des laboratoires. Il y a l'hôtel. Un prix fixe, bien. Laboratoire, t'as par exemple 6 000 ou 7 000, t'as à l'hôtel. Tu as besoin de l'hôtel, tu as besoin de l'hôtel, tu as besoin de l'hôtel, c'est à vous de gérer. Quand des laboratoires, ils disent que j'ai le bon. Mais dans l'hôtel, c'est le cas chez les mouktouf le bon. Ou quand ils disent que je le salaire, ils disent que tu as un salaire temps, tu as aussi le kilométrage, tu as tout. Voilà. D'accord. Gatlik aussi, de même, un délégué est censé faire une seule wilaya par mois. Non, non. Selon les labos, qui m'en a par exemple le mois, j'ai 3, 6, j'ai 12 wilayas par mois.
à faire. Selon l'objectif, les tarastiques, le programme TAC. C'est un plan de tournée, on appelle ça un plan de tournée. Oui. Chaque mois, on envoie au superviseur le plan de tournée. Je vous donne un exemple. Le plan de tournée Tayana, une semaine, je vais faire à Constantine Gijel, ou une semaine, je vais faire à Mbouaké, Mbaïda, Mlila, Mila, Ferjiwash, Rome, etc. Donc, on nous prend semaine après semaine, semaine après semaine. كاين اللي يخدم الناس مشغول لك شاك 15 جور زيد نعاود نقول اللي عندهم ميم ميدسان كاين اللي عندهم اون روتاسيون تاع ان موا دونك يخدم اون ولايه باغ اكزومبل باغ سومان ولا دو ولايه باغ سومان حتى لو موا بروشان بيزيد يعاودهم لي ولايه هذوك وكاين اللي تلقاهم يخدموا غير في كونستانتين ويبقى يدور على الميدسان تاعو اللي لهنا كل لابو كيفاه. D'accord. Une question de Ammar. Ammar, s'il vous plaît, avant d'écrire la question, j'ai pas bien saisi. Parlons Kaba, comment on négocie notre, je sais pas, après un entretien? Parce qu'il y a des labos qui proposent des salaires vraiment minimes. Oui, comment Ah oui. parlons de Une salaire, chose. voilà. Oui. Premier entretien, on parle jamais de salaire. Même qui dit que si vous avez des questions, n'allez pas lui demander le salaire, etc. On laisse toujours pour le deuxième entretien. Le deuxième entretien, lorsqu'on vous appelle, c'est en général pour discuter de votre salaire, du dossier à fournir, carte jaune, etc. S'il vous pose la question, quelles sont vos intentions salariales? بزاف يقولوا انا زوج ملايين يكفيوني فو جامي تابي تري با باسكو سينو قاعد يقول لك هيا داكور يركروتيك يدمر عليك يعطيك زوج ملايين في الشهر وانت المصاريف تاعك كي ديباس لارجمون زوج ملايين ان سالار دان ديليغي لو سالار دو باز جو بارل با دي زاندمنيتي كلش سي اونتر 3 ملايين ونص و 6 ملايين هذا لو سالار دو باز بي يا لاندمنيتي فيكول بي يا لا نوت دو فري. On négocie, vous lui demandez, vous offrez combien? En général, je négocie, surtout qu'ils sont sans expérience, je dis. Il y a un homme d'expérience qui voudrait négocier un salaire plus élevé. Ce qu'on sans expérience, s'il vous dit, voilà votre salaire, par exemple, salaire de base, il vous dit qu'il y a un salaire minime, il vous dit qu'il y a 1,5 million sur les zoos, mais l'indemnité, tout le monde va vous dire qu'il y a 4 millions de dollars. Sincèrement, vous lui dites, monsieur, sincèrement, 4 millions de dollars, ça ne va même pas couvrir mes frais. Parce qu'il faut faire dire حسابك اللي كان تبات في لوتيل ou la voiture اللي كان عندك une voiture essence c'est presque 2500 دينار d'essence par semaine راه نحط مليون انا essence ونزيد حق الغداء تاعي وحق الشيء راح اج ديباس لي 2 ملايين مصاريف كيعطيني 4 ملايين التعب هذاك بوكل بان نخبي 2 ملايين سافو با الكو دونك فو ميو كو سا سوا ان سالير من على حساب لي سيكتور لكن vous avez que Constantine 3 millions et demi, 4 millions comme salaire de base, ça va. Si vous avez beaucoup de secteurs et vous vous déplacez, c'est 5 millions, 6 millions salaire de base. Plus l'indemnité véhicule, c'est négociable. C'est en général entre 3 et 6 millions pour l'indemnité véhicule. Qu'un lictar, les grands, la bourglasse. On peut être la note de frais. S'il y a une note de frais, d'accord. ها هو تسمى يسلك لك ليسونس المبات شي وكلش تولي لو سالار دو باز راهي هذاك هو سلك تصح صافي بصح الا كان يا با دو نوت دو فري لو سالار دو باز بلس لانديمنيتي فيكول مع بعض فو ميو كيل ديباس لي 10 مليون فوالا. D'accord. Donc, par cela, on a répondu à la question de Manel. Une autre question. Pour Ouais. l'objectif et le plan de tournée, Ouais. c'est de à toi de le faire ou bien il est déjà tracé? Bon, je mets objectif. Les objectifs, t'as les médicaments, bien sûr, c'est le laboratoire qui les a. Il y a un objectif chaque année, début d'année, vous avez une réunion. La réunion dit qu'il y a les objectifs. Il y a, par exemple, le docteur Menel, vous avez un objectif de 100 000 euros. Ou là, ou plus, qu'il y a plus, ou là, qu'il y a, il y a euros, il y a nombre de boîtes. Il y a, vous avez quatre produits. Le produit finalisme يتباعوا 40 000 بوات الخوارزمي يتباعوا 50 000 بوات هذا هو لوبجيكتيف تاعك تسني عليه لازم فان داني يكونوا لي زوبجيكتيف اتان بور لو بلان دو تورني يقدر يتبدل شاك لابو تاني كيفاه كاين لابو يقول لك تفاهم مع الاخر بينوم تاعك تخدموا اون سومان بين سومان كاين لابوراتوار يقول لك دير لي لو ميم بلان تورني اللي بقى يتعاود لكن باغ اكزومبل
شوف درك انا ميلا لا سمين بروشان مش غنزيد نحط له ميلا، لا سمين بروشان راح نخدم في جيجل، لا سمين اللي وراها بنزيد نحط له ميلا. دونك سي ان بلون تورني بلوز او موان لو ميم اللي يتعاود وشي تقدر تبدل. باغ اكزومبل ميلا اللي درتها ديمونش نقدر المره الجايه نحطها مغدي، يتبدل سولون لي بوزوان تاع لو ديليغي وتاع لو ميدسان. كاين باغ اكزومبل ميدسان اللي ما يخدمش الديمونش في ميلا، اله نشقى باه ما نشوفوش. دونك ندير في البلان دو تورني تاعي لاندي سي بلو رونتابل. وتتفاهم مع لو سوبرفيزور تاعك، لا عندك ان امبيشمون باغ اكزومبل ولا عندك مشكل في الطوموبيل تقدر تتفاهم معاه تقول له اليوم نخدم في قسم طينا برك وغدوه اللي نروح اشهر اكسيتيرا. وعلى قد ما تكون انت رابيد وخدام وتزيد وتدير لي زوبجيكتيف تاعك تخلصهم قبل الوقت، يمدوا لك دي بريم ولا كيف كيف؟ وي وي انفان سا ديبون دي لابو. كاين دي لابوراتوار ما يمدش لي بريم، يا لي بتي لابو كي دون با، يا دي غران لابو 90% دي لابو يمدوا لي بريم. يقول لك باغ اكزومبل عندك ان اوبجيكتيف تاع 100,000 يورو، vous atteignez les 100,000 euros en 8 mois ou en 9 mois. On peut avoir beaucoup de bonus. Là, le hack, par exemple, 120,000 euros. 20,000 euros, dès que les aides, il y a un pourcentage. Ça dépend du pourcentage à l'achat du labo. Il y a des labos qui ont une prime annuelle de 5-10 millions. C'est motivant. Il y a des laboratoires qui ont des primes de 40-50 millions. Il y a des idées que le voyage de motivation. هو نورمالمون فويل دو موتيفاسيون سي بور موتيفي لي ديليغي، مي قاعدين يمدو فيهم لي ا سو كي زاتان لوغ اوبجيكتيف، يديك البرازيل ولا يديك الامريكان ولا تحويسه. مليح هادي صح موتيفون. وي معنا قالت فيو لا كريز سانيتير كوفيد 19 اسكو لي لابو ريكروت. اون ا انتوندو با مال دو ديليغي اون كونجي سون سولد. Oui, il y a eu beaucoup de labos, surtout les labos algériens. Kharchou les délégués tahom en congé annuel, ou bien qu'ils ont un congé annuel, ils ont kharchou en congé sans solde. Mais en général, un labo sérieux, il y a eu le choix le délégué tahom. Il dit qu'il y a travaillé sans solde. Mais les multinationales, beaucoup, c'était télétravail. On n'a pas eu d'état sans solde. Parce que canonien, ça n'existe pas. Qadar hitach kibi kontab. Canonien, ça n'existe pas, il kharchou sans solde. Il y a le congé annuel, il peut t'imposer un congé annuel fait un précis, mais le congé sans solde, ça n'existe pas. Il y a un congé comme soir, il y a un soir de mèche qui est en frigo. Ça ne se fait pas. Oui, exactement. Donc, il y a les grands labos. Beaucoup, c'était télétravail, le téléphone, tu arrêtes les médecins pour garder un contact avec les pharmaciens pour connaître la disponibilité. Ou Dorka, on a la plupart des labos ont repris avec les précautions nécessaires. On a été les médecins, chauffe les reçoivent, ceux qui ne reçoivent pas. On chauffe, c'est des petites visites courtes. Moi, je suis l'abdi khdem où il fait le maximum au khlas. Donc, la question de Marjet Souassoua, comment vous faites avec des médecins qui n'acceptent pas les délégués médicaux, surtout s'ils ont un grand potentiel? Alors, pour les médecins qui ne reçoivent pas, que ce soit hors Covid ou hors Covid, tu peux te dire à l'infirmière, est-ce qu'ils ne reçoivent pas les délégués en général, beaucoup, ou là, est-ce qu'ils ne me reçoivent pas un abark? Ou est-ce qu'il ne reçoit pas le labo tiré barque? Hey, tu dis par exemple qu'un gars il ne reçoit aucun délégué. Hein, la gal, mais عندك ما دير. تقدر par exemple تحوس على معرفة, تقدر تستناه برا, تلاقيه على برا. هي حكي مسلك القهوة, تسمpathize معه, تتفهم معه. هنا تولي شغل un investissement personnel. Est-ce que le délégué vraiment حاب يوصل وحاب يخدم? يقدر فريمون يقعد للميدسان هذا كي يتبعو لي بروبوز كلكو شوز لي شتا ما يدخلكش تروح للفيرمي تقولها حاب نبروبوزي له اون بريزون شارج كوميم تربحو دين فاسون او دين اوتر تلقى توجور اون فاي بات تدخل عنده باغ كونتر لي كان قالت لك ما يدخلش لو لابو تاعكم برك تما عنده مشكل مع لو لابو تاعكم تو سي دو كومبروندر مع الانفيرميير بعد تسقسيها قولها علاه اسكو على بالك شي كلش ولا قولها اساي قولي له حاب يحكي معاك باش يشوف شنو المشكل. On essaie toujours de résoudre le problème. Lekin ma qablikch t'aït le superviseur, tqoul lou haou ma dakhlch le labo tana, il essaie yji m3ak. Dima dima le médecin qui chouf bli le directeur ou la directeur régional ja, yqdar yidir le wajh ykhlikom dkhlo.
qu'hydrophysiologue, vous pouvez résoudre le problème, comprendre quel est le problème et le résoudre en même temps. ولكن صامت وما يدخلش خلاص وكلش على غالب vous essayez de laisser par exemple les fiches poso à l'infirmière هي تدخلهم له il aura quand même une idée des produits اللي كاين وقادر يكتب لك انت وسمعتك انت وسمعتك وانت وشطارتك اه فوالا والله دونك منال سانتيروج سور لو ترافاي اون بينوم قالت لك يا اخي نورمالمون اوني ديفيزي شاكان سون سيكتور Non, ça dépend. Qui m'a par exemple le laboratoire TI, et nous, la binôme TI, nous avons le même secteur, les mêmes médecins. Ou chez Café Kasmi, les produits. Qui m'a par exemple, on a 10 produits. On a 5 hacks maintenant, 5 hacks maintenant. Et en même temps, on s'entraide. Par exemple, il y a qui se trouve le Jijil. Il y a le produit TI, moi, je suis chez Khalas. Elle peut parler de mon produit, de faire que le médecin allait. Et je fais la même chose. Lorsqu'il y a eu des problèmes à l'importation de Rostokolish, on avait les mêmes produits, les mêmes médecins. Donc c'était du tapage كسروا له راسه الميدسان كل مره راحوا له هضر له على لو ميم برودوي لو ميم برودوي دونك يبقى لو برودوي ديما يدور في راسه دونك يتفكرك ولكن ما يدير وحايد يخليه بزاف لي فيش لي فلاير فوق الطابله في ستيلو في شي دونك ديما يبقى يتفكرك وكاين لي قاسمين لي سيكتور كاين لي حاكمين لو ميم برودوي واحد يخدم ميلا باغ اكزومبل فرجيوه واحد يخدم امبواقي C'est selon les labos. Moi, en tout cas, les binômes, les endymas, tu te fais mal. Bah, tu devrais te mettre le chemin. Voilà. Oui. Manel, toujours, est-ce que le même salaire d'un délégué, niveau licence biologie ou master biologie, ou l'anzidlanaya vétérinaire, est-ce que Koulandina a le même salaire? Oui, que ce soit médecin, que ce soit un prof en médecine. Qui est le délégué en général, les délégués, je parle sans expérience. Qui est le de beaucoup, c'est le salaire, c'est le même salaire. On bête si vous avez de l'expérience, fait notre laboratoire, par exemple, je suis en train de faire un deuxième laboratoire. Le laboratoire, le temps, il me dit le temps, il me dit le même salaire avec de meilleures conditions de travail. Je peux négocier mon salaire, je peux avoir un meilleur salaire. Mais même chez la formation, qu'est-ce que compte biologiste, ou là, compte vétérinaire, ou là, compte un prof de médecine. Parce que moi, chez moi, c'est qu'un délégué, il bien le doigt. Mais même chez je ou là, je crois, avant qu'il. Voilà. D'accord. Une autre question. Un bon CV dans un entretien, qu'est-ce qu'il doit contenir? Qui m'a dit Agbil, un bon CV, d'abord, il doit être lisible, il doit être clair. Qui résout le recruteur, il est joli, avec de belles couleurs, avec une belle photo, de préférence une photo nette, avec une tenue classique, par exemple, Cora avec chemise, cravate, ebnet, tenue classique. Le titre du CV, toujours, c'est le poste demandé. Les informations, n'importe quoi, qui m'a par exemple les loisirs, qui a un style le foot, un style Barça, ça n'intéresse pas le recruteur. Pas du tout. Là, la musique, là, ce qui l'intéresse, si vous avez fait par exemple un commerce, si vous avez travaillé dans une pharmacie, les loisirs, par exemple, des trucs scientifiques, je m'intéresse aux formations scientifiques, je m'intéresse à ceci. Oui, j'ai des choses, mais je suis n'importe quoi. Voilà, exactement. C'est pas n'importe quoi. Ou les formations, collège. C'est Chili Dirt comme formation, même le diplôme, si vous avez fait d'autres diplômes, si vous avez les petites formations de 3 jours, 4 jours, c'est un plus. Malgré les formations qui m'ont dit les formations déléguées médicales, mais ça refouche bien en classe. Parce qu'ils savent que la plupart, 90%, mais les formations en général, c'est le laboratoire qui forme leurs délégués. Qui a été quoi et recruter ou former quoi pour que vous soyez optimal. Donc, il y a un homme formé au collège ou il y a un homme qui a une expérience. Mais il y a un homme qui a une expérience. Le marché qui a été Bien sûr, surtout les canards qui ont les mêmes médecins. Ça a été ouais, ils ont fait la gynéco. On va dire, ils ont été dans notre laboratoire, ils ont les compléments alimentaires à la gynéco. C'est un plus pour le laboratoire. C'est le portefeuille médecin. On appelle ça un portefeuille médecin.
مي هادوك لي فورماسيون كلش ما عندهم حتى معنى، يعني زيادة بك بتعمر لو سي في. Donc, maintenant, j'ai oublié la question ce qui concerne les formations. La partie, deuxième partie, quelles sont les chances de recrutement pour un jeune diplômé sans expérience? والله لي شونس سا ديبون. درك كاين دي ميت، كاين بوكو دو لابو وساعات دو غران لابو، كسا سوا فايزر كندي ولا نيمبورت كال لابواتوار، ساعات يشيرش دي ديليغي سون اكسبيريونس بور لي فورمي هما، بور لي فاسوني ا لور برودوي ا لور مارشي ا لور بوليتيك. دونك راح مادا به يجيب واحد سون اكسبيريونس كو يجيب واحد اكسبيريمونتي مقفول في راسو، راح يقول باسكو عليه واحد اكسبيريمونتي الى ان كونفيونس ان سوا يقول كاني نعرف. دونك يجيبوا لابوراتوار بازامبل، سورتو اللي كان في نوتر جام سي تي نوتر بوليتيك، الخدمه مع لي كارديولوج سي با لا ميم مع لي زوفتالمولوج سي با لا ميم مع لي جينيراليست اكسيتيرا. كل مارشي شاك سيكتور شاك سبيساليتي عندها لي سبيسيفيسيتي تاعها. دونك بزاف لي لابو اللي يجيبوا لي زونس اكسبيريونس، وساعات كيكون بازامبل لاب واحد لونسي ان برودوي جديد مادا بيه يجيب واحد عنده اكسبيريونس باه يلونسي له مليح لو برودوي هذاك. دونك نقول لك 50% شانس داتر ريكروتي. D'accord. Je pense la dernière question. Est-ce qu'il y a des labos qui exigent une formation en marketing plus à la formation scientifique? Non, aucun laboratoire pour délégué médical ne va exiger une formation marketing, sauf lesquels habitent comme délégué commercial ou la commercial médicale. Lesquels commercial, ils exigent beaucoup plus marketing que scientifique. S'ils trouvent les deux, c'est mieux. Mais pour le commercial, beaucoup plus, ils exigent une formation marketing. Sinon, la plupart, pour le délégué médical, c'est formation médicale. Point. Oui, qui dit une formation ou un diplôme marketing, c'est un plus pour vous. Parce que actuellement, tu as les techniques marketing, tu as ce fait bien au collège, c'est un plus. Mais c'est obligatoire seulement pour les commerciaux. Encore les kinds de commerciaux, là, mais ça joue le marketing. Moi, je suis au Khaddam, j'ai d'expérience et d'accord. Une question, Khalilin Goulik Douka Bada, je suis à Mohreja. Galek, docteur, si vous n'êtes pas satisfait des produits de votre labo, est-ce que vous continuez de travailler? Si oui, ce n'est pas contre conscience. Là, ça a couloir qui fait. Kane. Des délégués, ils trouvent que le produit qui n'est pas efficace, le produit qui est merg. D'ailleurs, il y a eu un problème sur le terrain. Le produit n'est pas efficace, beaucoup les chkiou. L'usine, ils peuvent régler le problème. Par exemple, le médecin de Glouatini, deuxième chance, c'était un lot, il fait de bork. Il y a un shift, le produit est moins efficace. Il y a un shift. Je vous conseille de vous chauffer dans notre laboratoire, déposer des CV au collège, comme le redemain bismen ou classe. Mais sinon, les produits sont efficaces, ou comme le redemain, ça sera vraiment très très difficile. Quand même, ils n'ont pas de conscience, moi j'aime bien. Donc, il y a des gens qui ont été prises en charge, les prises en charge, ils ont été prises en charge au Ksubli Bork. Parce qu'il y a beaucoup de médecins qui n'ont pas de conscience. Des prises en charge, le Ksubli produit, c'est inefficace, classe. Mais la plupart des labos, les produits ils sont efficaces. Ça a des problèmes de tolérance. Comme nous, par exemple, les concurrents, ils avaient un problème, ils ont fait les patients qui ont fait. Mais n'empêche, ils ont fait quand même. Par exemple, quand ils ont les produits rupture, ils ont fait. Ils ont fait des problèmes de tolérance, ils ont fait des problèmes. Il y a des astuces ou quoi. Mais les produits sont efficaces, خلاص, vaut mieux voir un autre labo parce que ça va être très surtout les sans expérience, ça va être très bien. مهلي يعني كدير اون مال ريبوتاسيون ليك بعد ليك انت في الاخر اون ريبوتاسيون مالكا نو باسكو يشوفوك كوم فوندور على بالهم بلاك فوندور لكن برودوي مش ايفيكاس ويشوفوك بلي راك مشي تو فا جو بونس ميم لي غون لابوار راح يريكروتيوك افيك غون بليزير. فوالا يقول لك وي وي يقول لك ما عندوش اكسبيريون عندوش الاخر برودوي مش ايفيكاس ومش شاه ما لا برودوي ايفيكاس كيفاه كيفاه وي نور.
Bon, les questions, je pense que tout le monde est intéressé. Oh, parce que Oui. les vétérinaires ont la plupart habillés de la délégation. Donc, ça sera avec grand plaisir. Je Oui. répondrai à tout le monde, Inch'Allah. Apparemment, des biologistes معنا Hey, même les biologistes, bizarre, ils là. aiment le délégué médical, oui. Oui. Manal, quel est le best... Ah, arrêtez la question. Le best site pour trouver un emploi en délégation. Emploi Le meilleur TIC. site, à mon avis, c'est Facebook. Parce qu'il y a des groupes de délégués médicaux Oui. ferment énormément de labos, ferment énormément de superviseurs. D'ailleurs, même le directeur, c'est un des groupes, donc il poste souvent des postes, que ce soit Oui. délégués médicaux, commerciaux, même pour superviseurs. Je pense que le Facebook est le meilleur. Il y a le site Emploi-TIC. Mais maintenant, je vais mettre les CV en pratique, jamais arrêté maintenant. Personnellement, je n'ai pas eu une bonne expérience, mais en pratique. Qu'il y a quelques-uns les aïto, je ne sais pas. Il y a plein de sites. LinkedIn. Oui. LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. Il y a les recrutements. Ou fait les offres d'emploi. Donc, je vous conseille Facebook et LinkedIn. D'accord. Voilà. La question suivante, quels sont les grands labos en Est? Les grands labos d'ailleurs, même implantés chez Blasa ou la chez Blasa, les gars internationaux ou la nationale beaucoup. Les gars, Oui. regardez le siège, c'est qui m'a présenté Sanofi, ou la Novo Nordisk, ou la le labo qui nous fait c'est Jim Jones Pharma. Le siège social, il est à Alger. Mais ça, ils sont implantés partout. Donc, qui traite le CV tech, ils vont vous appeler pour un entretien, on a fait un hôtel. Les rapports se font par Internet, par email, pardon, ou là, les communications par téléphone. S'il y a des réunions, ça me dit comme là, dans les hôtels, ou quand les grandes réunions nationales, ils diraient que le siège, c'est à l'Alger. Sinon, les labos, la plupart des labos, ils sont implantés dans toute l'Algérie. Les grands labos, Pfizer, Sanofi, Novo Nordisk, Kendi, Jimjo. Théa, Alcan, Adobo, que lui sont fil Jazeera beaucoup. Mais où je regarde l'Est. Voilà. D'accord. Manel, j'ai des amis délégués qui arrivent à 15 millions par mois. Comment ils ont fait pour avoir ce salaire? C'est très simple. Qu'un des délégués qui a 20 millions par mois, qui m'a été Sanofi par exemple. Le salaire de base, on va dire par exemple, le salaire de base aux 5 ou les 6 millions. Avec l'indemnité véhicule, 5 ou 6 millions. Déjà, on a entre 10 et 12 millions. Plus la note de frais. Note de frais, le Kenyatek 5 dinars, le Kenyatek 15 dinars al kilomètre, qui m'a fait le grand labo, le Lyos 20 dinars. Qui te rache, à 100 km, vous avez l'aller ou le retour. Donc, ça te fait 200 km. 200 km fois 15 dinars, ou la 20 dinars, et déjà 400 000 ou la ktar. Donc, en plus, les déplacements, mais ils sont très fréquents. Donc, la note de frais tech, rachat donc, le salaire de base, plus la note de frais, plus haqlim bêta, il y a 500 000, 700 000, 800 000, tu as les hôtels, plus 1000 dinars chaque jour, tu as panier, ou la 800 dinars, ou la 700 dinars. Donc, ça fait un total 16, 15, 14, ou 15, 18, 20 millions. Donc, ça dépendra des labos. Une collègue qui cherche à savoir est-ce qu'il y a des labos spécifiques dans le domaine vétérinaire? Eh oui, il y a des labos spécifiques. Il y a le Constantine Tabassov. Bonsoir. Hey, oui, c'est ce qu'il faut ce mot. Kain Veto Farm aussi. Il y a quelques. Kain l'autre GPM, GPMK, c'est Medani. Il y a quelques labos vétérinaires. Mais les labos vétérinaires, ils ont une mauvaise réputation. Mais c'est le coach, je me les délégués. Ou tenir les produits, ils sont pas. Mais quand je bzeve les produits vétérinaires, il n'y a pas une grande concurrence. Binatum.
Donc le délégué miaoulouche allait bzef, donc il y a un petit salaire. Donc vaut mieux voir côté humain en priorité. Ou le côté vétérinaire, ben c'est bda. Mais allez, c'est bda juste pour l'expérience. Ou khdem Des labos vétérinaires et me fait acheter. labo vétérinaire, pour commencer, par exemple, là, par exemple, le labo vétérinaire me fiche de déplacement bzef. Pour une femme, les médecins se déplacent ou là, c'est excellent. C'est des choix. Oui. Manel, comment réagir avec les médecins qui sont mal. Bon, je vais. Qui sont mal éduqués avec les jeunes filles. Ça, c'est arrivé à plusieurs filles. Je m'excuse pour la question mal placée. Oui, elle a raison. Il y a beaucoup de médecins, surtout les jeunes médecins, ils pourraient draguer la fille ou la déranger ou la. Il faut vraiment que la Suisse, il faut qu'elle soit méchante. Il faut le remettre à sa place et lui montrer qu'on est là pour le travail et non pour la drague. Parce que là, s'il se laisse faire la première fois, deuxième fois, elle peut aussi informer son supérieur. Le médecin Hadek, il pourrait le mettre à dire de blasso, surtout le commandage expérience. Normal, il y a un truc déplacé, tu bdelou le sujet ou là, tu dis au docteur, on est là pour tel produit, je préfère qu'on reste professionnel. En général, une, deux fois, c'est bon. Mais Il faut qu'elle s'impose. il C'est faut la ça, voilà. personnalité Zach. C'est toujours le délégué qui doit s'imposer. Il faut jamais laisser le médecin Qui s'imposer. Que ce domine, oui. soit voilà qui domine, que ce soit pour la vente ou pour un truc personnel. Il faut toujours dominer le médecin. Il faut toujours s'imposer. Il faut toujours rester professionnel. Il ne faut pas le taqlaq ou la hakaoukoulish. Parce que la première fois où il testait à voir comme il chauffera professionnel, ou il va ou tu lui traites bien, ah oui, c'est bien, ou donc, il faut pas qu'elle s'énerve ou là, le mzij t'rohlo ou là. Si elle a pas ou pas, il s'amato, merg ou kulish, elle informe ses supérieurs ou très même t'en hais khlas m'le data t'cha ou mzij t'chouf. Oui. Elle laisse par exemple son collègue ou là, le binôme t'cha li de brasso. Voilà. Une question de Amar. Oui. Question par. Ah non. Une question par docteur Amin de Chichi, qu'on le Oui. salue. Une petite question. Est-ce que le fait qu'un médecin qui vend ses patients au laboratoire pour avoir une prise en charge ou d'autres bénéfices est vraiment le principe de la délégation médicale? Un médecin qui vend ses patients. يعني زعما على جال لو لابو هذا اللي راهو يخدم معاه على جال واش راهو يدي من عندهم يكتب لهم يبريسكري لي ميديكامون تاع اللابو المهم هو يدي Je vous le dis, sur le domaine médical, il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas professionnels. Peut-être un médecin, mais il y a un médecin qui est entré dans le domaine, il dit, ouais, ça va le best, il dit, hein, où j'ai pris. Directement. Il y a des médecins qui n'ont pas froid aux yeux, qui y vont directement. Qu'est-ce que vous avez à offrir? Vous me donnez une prescription. Vous me donnez une inscription ou là, un hébergement ou là, une prise en charge totale pour un tel événement. Je vais vous prescrire, je vais vous donner le maximum. Il y a plein de médecins qui sont comme ça. Ce n'est pas professionnel, certes, mais on doit s'adapter. On est là pour travailler. Mais chaque fois qu'un médecin dit comme je chauffe, donc il faudra s'adapter, rester professionnel. Par exemple, des prises en charge à la prochaine fois, tu dis un autre. On doit faire une rotation, les aider d'autres médecins aussi, on doit rester professionnel. Ou si, par exemple, les meilleurs événements, par exemple, on dit on s'adapte. On s'adapte selon le budget, selon le médecin, selon les objectifs. D'accord. Donc, Wahida, si t'as pas de voiture, comment ça se passe? Alors, si vous n'avez pas de voiture, soit vous voyez des labos qui offrent la voiture,
Mais en général, c'est les grands labos où là, vous prenez. La voiture est obligatoire. Sinon, les autres ne vont pas vous accepter. Parce que, imaginez, vous avez cette semaine 1000 à Fergie ou à Chelromley, la bus, c'est impossible. Je ne pourrai jamais voir tous les médecins et finir dans les temps. Les transports, en plus de ça coûtera très très cher. C'est quasiment infaisable. Si vous avez par exemple une voiture, qu'elle tombe en panne, ou là vous pouvez dépanner, c'est qu'elle est automobile, là c'est transport pour une courte durée. Mais si vous n'avez pas de voiture, c'est impossible à faire. À part la chef de laboratoire, elle est où l'automobile. D'accord. Manel, comment gagner un médecin rouge, mais tête très potentielle, genre la tête dure qui te laisse pas parler? Là, on va commencer par l'écoute active. On va le laisser parler. On va le laisser discuter. Puis on va essayer de traiter les objections. Parce que c'est en général, c'est des objections. Là, on va essayer de traiter ces objections une par une. Le prise en charge, on va essayer de voir comment on fait avec lui. Est-ce que notre DOM, est-ce qu'il prescrit, prescrit pas? Comme c'est un potentiel, donc on doit se donner à fond pour le gagner. On fait le maximum. Essayez de trouver le temps qu'on fait calme, à l'aise. Par exemple, il y a des médecins qui trollent entre les patients, alors ils préfèrent fin de journée. Parce que c'est une infirmière. Elle peut vous donner des informations sur le médecin. Est-ce qu'il est calme au début de journée ou la fin de journée? On essaye de traiter chaque objection, chaque problème. À chaque fois, il copie le hadara. Très gentiment, mais le docteur, est-ce que je peux finir ma phrase? Sur le tordo et le blaso. Parce qu'après un certain moment, c'est trop. On doit s'imposer un petit peu et lui expliquer qu'on est là pour le travail, qu'on a des produits efficaces qui sont disponibles, qui sont là, qui sont très concurrentiels. On va dire notre troll blizzard, il oublie le produit, c'est à crème le concurrent, les que tu fais, telle chose avec des avec la DV ou la des flyers ou les études au collège. Voilà, exactement, c'est ça. Donc, une question du live. Est-ce que l'âge limite. Ah, non, pardon. Quel est l'âge limite pour déposer un dossier ou bien cela n'a pas d'importance? Bon, la plupart des labos préfèrent un délégué jeune qu'un délégué qui a 45 ans ou là 50 ans. Parce que d'un côté, un délégué qui a 40 ans, il mchib la politique, c'est le laboratoire. Mais, quand j'ai été recruté, très le 45 ans. Il a été recruté, ou le meilleur délégué. Donc, certes, ils privilégient les jeunes beaucoup plus, parce que ils sont aptes à se déplacer, beaucoup sont célibataires, ils n'ont pas d'ex-indiloulet, donc il y a un privilège pour les jeunes beaucoup plus, mais même les Kbaflamor, ils ont des chances d'être recrutés. Voilà, exactement. Surtout les cas d'expérience où il a fait de bons résultats dans les labos précédents. Ça joue énormément. Sur le live toujours, est-ce qu'il est possible de nous expliquer le CAB? Je ne sais pas c'est quoi le CAB ou la CAB. Je ne sais pas si c'est ABD. Fais-moi, non. S'il vous plaît donc de nous expliquer ou là de rédiger votre question. Voilà. Entre-temps, Wahida, qui a posé la question sur la voiture, dit que non, je parle d'un labo qui offre la voiture. Comment ça se passe, salaire? Les labos, ils mettent la voiture, ils l'indemnité véhicule. Parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un laboratoire, il y a le salaire de base, il y a l'indemnité véhicule. L'indemnité véhicule, sur le carrière, l'automobile, donc, lorsqu'ils vous offrent le véhicule, ils vont vous enlever l'indemnité véhicule. Vous aurez le salaire de base plus la note de frais. Plus, bon, qu'il y a des laboratoires, le véhicule ADEC, après tant d'années, ils vont vous l'offrir. Qui m'a par exemple nouveau Nordis, chaque 4 ans, et que ce bloc le véhicule Bismuth qui attaque ton mobile relève à la société. Donc, je crois que c'est une prime bête. D'accord.
Voilà. Question, comment font les délégués avec le problème de stationnement sur Alger? صح انت فاسك انت اشطرتك وسي لي ديليغي تاع الجي يلقاو اون جينيرال لي ديليغي تاع الجي مسكنو في الجي بعد دونك اي كونيس بيان لو تيران انا سوي سور كونستانتين باز اون سونتر فيل جو مو غار ان اندرو اي جو في مون سيكتور ابي سا مو في دو لا مارش اي جو ترافاي بلوز ا ليز فو بوفي اوسي شاك فوا فير دي تور دي زالي روتور جوسكا تروفي ان بلاص ولا تشوف دوك لي يخدمو باركينغ دوك تشوف معاه يلقى لك بلاصه Enfin, que l'on a fait de Garania. Oui. Question de Wahida. J'ai une question qui peut être un peu bête, mais non, toutes les questions ont un paiement. Comment savoir que le médecin X pardon, prescrit plus ou moins le médicament? Alors, comme je l'ai dit au début de la formation, le délégué, le médecin, il doit d'abord aller à la pharmacie. Par exemple, un médecin, le chroub, les pharmacies aux alentours, on les appelle les pharmacies satellites. Parce que les 60% des patients vont à la pharmacie la plus proche. Le médecin tout de suite la même. Donc, les pharmacies satellites, c'est les pharmacies qui donnent les médecins. Nous d'abord, le médecin rentre de la pharmacie. Nous allons la disponibilité des produits et on cherche le produit qui. Je demande est-ce qu'il y a une rotation, je sais pas, 3 par semaine, 10 par semaine, ou je compare avec la concurrence. Ben, est-ce que Gedik Sublime Lich, tu es ou non? On peut surtout, il y a un bon relationnel avec le pharmacien. Tel médecin, ou je Gedik Sublime comme produit, tellement donc, vous aurez une idée approximative de la rotation de chaque produit avec tel médecin et tel médecin. Donc, si tu as deux médecins, par exemple, tu as trois produits. Tu as les deux autres produits. Troisième, tu as le troisième. Donc, tu as le troisième produit directement. Voilà. D'accord. La personne qui a posé la question sur le CAB, get CAB, c'est-à-dire caractéristiques, avantages, bénéfices. On est à la fin de la formation. On a parlé des avantages et des inconvénients le métier là. C'est que certes on a un bon salaire, mais on a beaucoup de déplacements et beaucoup de tarifs. La capacité à s'organiser tout seul, c'est un grand avantage. Tu peux créer le plan ton tu peux créer une place à la place à filani un jour filani un jour filani. On peut aussi commencer à travailler vers 10 heures si on a quelque chose à faire avant. Moi-même, je suis un superviseur, ça donne une mauvaise image. On peut terminer ça à Tbekri. Par exemple, le fait que tu as un Kadiatik, c'est un avantage tout ça. Maintenant, je garde un bureau, je vais aller là. Mais parfois, il y a un énorme stress ou l'instabilité, comme déjà, ça a le laboratoire est décidé licencier ou là est décidé yqfel khlas ou là il bdel la politique tiao, il y a pas mal d'inconvénients aussi. D'accord. Voilà. Yacoub cherche à savoir est-ce que la carte jaune est-elle obligée? Pour la plupart, elle est obligatoire, oui. Il dit parce qu'elle est dakhlek tkhdem ma'a مش عاد تخدم معاه كلكو موا ومن بعد كاين كونغري في الخارج يجي خارج يحكمك في لادوان يهزك سيرتو لي لابوغاتوار انترناسيونو امبوسيبل يدخلك سون كارت جون باسكو على بالهم كاين ديبلاسمون كاين ريسك دونك يبريفير يقول لك جيب لا كارت جون مي كاين دي لابوغاتوار يقبلك ميم سون كارت جون سيرتو لي لابو الجيريان يقول لك هاوي دور هنا برك مي سي يا دي كونغري سي يا دي فواج دو موتيفاسيون سي فو ام يديوكش كاريمون و De préférence, il a dit, n'hélé, je suis allé à l'ascar, on va dire, hey, postule, cher. Quand vous serez plus allé, vous aurez beaucoup plus de chance. Voilà. Là, les avantages, oui, merci, Raouf. La personne, elle est en live, elle a mis deux produits que je parle, caractéristiques produits, avantages. S'il vous plaît. De bien rédiger ou bien reformuler votre question. Ah, je pense que tu as les avantages sur le produit. Donc, bénéfice produit. Hey, donc, bénéfice produit, bénéfice
qui est trop loin de médecin. Lorsqu'on présente un produit, vaut mieux parler bénéfice patient, pas bénéfice produit. On va présenter le produit à parce que le médecin, c'est le patient. Donc, on va qui aime bien présenter un produit. Le produit taille, la DCI, un de les avantages et tout. Mais les avantages et tout, c'est un antibiotique, large spectre, il touche tel germe, etc. Ça l'intéresse pas vraiment, mais je dis que par exemple, le produit Tanahada fait l'HPMC par exemple, les IA ta. Mais l'HPMC, elle va donner un confort à vos patients, elle va donner une sensation de confort, de fraîcheur, elle va aider les patients à surmonter avec la harir ou la. C'est ça ce qu'on appelle bénéfice patient. Donc chaque étude, c'est la DVT avec la première fois que essayez de chercher le produit TACOM. Qu'est-ce qui donne qu'en plus pour le patient, ce qu'on appelle le bénéfice patient. C'est intéressant pour le médecin qui chauffe le patient en plus. Donc ça sera déjà les études scientifiques ça sera trop ennuyant pour le médecin. Donc ça les bénéfices patients, c'est plus intéressant. J'espère D'accord. avoir répondu à la question. Normalement, donc on se fait Inch'Allah. entre-temps, Manel, le lieu de travail suit le lieu de la résidence, c'est ça. Donc, la plupart des délégués changent des labos en moyenne chaque un an. Pourquoi? Ah, deux questions, Hado. Oui, bon, on va commencer par la résidence. En général, oui. Le secteur Constantine et alentour. En général, on met les grandes wilayas, où il y a beaucoup plus les labos. Constantine, on met aux alentours, même Skikda, Jijel, Mila, Amboire, etc. Pour un délégué qui réside à Annaba, ils vont lui donner Annaba, Taraf, les alentours. Est-ce qu'on passe en fait Betna, il y a pas mal de tête, c'est l'Oued, Mdouambiskra, Mdouram, les alentours. Donc, c'est le lieu de résidence et les alentours. Chez les lieux de résidence, c'est des points Beynine Dahrine. Les labos, c'est Constantine, c'est en général Annaba, c'est Betna, c'est Steve, on a les Hakimi El Borj, les Hakimi Lak, ça dépend. Mais c'est les grandes wilayas. Pour la deuxième question, le changement de labo, ça dépend. Kane qui est le délégué, par exemple, à Sanofi, il y a un kbar fl'amar. Mais les bda, ça fait 10 ans, 15 ans, on a fait le même labo. Parce que vous avez un excellent salaire, parce que il y a une certaine stabilité dans le labo, parce que vous avez des avantages, lorsque vous êtes à l'aise avec vos coéquipiers, vos collègues, avec votre superviseur, pourquoi changer un labo? Vous avez un excellent salaire, pourquoi changer un labo? Alors que l'ITRO, par exemple, fait un petit labo, tu as par exemple un labo vétérinaire, tu as un an, si on trouve une meilleure opportunité, bien sûr qu'on change. C'est selon les opportunités. Mais ça dépend. Chaque délégué ou qui fait. Maintenant, ça fait donc 2 ans et demi, on a fait le labo. Alhamdoulilah, je suis bien, je n'ai pas envie de changer, sauf si je trouve une meilleure opportunité. Par exemple, moins de travail, plus de salaire. Inch'Allah, Inch'Allah. c'est quoi de la bonne observance? La bonne observance d'un médicament, c'est lorsqu'un patient, par exemple les gouttes, n'importe quel médicament, qui le patient, il charbo, kemel. Parfois, il y a les associations antibiotiques corticoïdes. Pourquoi? Les médecins ici, un flacon ou un médicament, fait l'association deux médicaments différents. L'observance, c'est qu'il Effectivement. met le patient, il chope le médicament au complet, mais le l'autre, où il charme la posologie. Il y a 3 fois par jour, les amis charbent 3 fois par jour pendant 5 à 7 jours. Donc, il me donne 2 3 médicaments. Alors, Kadrin 3 jours, il habisse. L'observance, c'est qu'il a le médicament ou il camelou le ou l'autre. Donc, il y a privilégié ça, les associations, un seul médicament, il y a une meilleure observance. Que Wahid que Msarraf. Oui. Voilà.
Balak, c'est la dernière question de Manel. Comme vous dites, c'est le laboratoire qui forme le délégué. C'est genre des réunions en expliquant les méthodes de vente, etc. Qui fait des formations, les déroulent les labos, les délégués. Alors, au début, lorsqu'on commence le travail pour la première fois avec le laboratoire, la Hédélique, une formation, selon les labos, bien sûr, quelle idée qu'en une semaine, quelle idée qu'en 2, 3 jours, ça sera basé d'abord sur les produits, le produit, la DCI, les composants, comment présenter le produit, toutes les DCI, tous les détails du produit. On va être qu'un des laboratoires qui vont ajouter des techniques de vente, techniques marketing, des astuces, etc. Quel est non? Il y a deux brasques. Qui m'a par exemple qui m'a le traitement d'objection les nattel comme Gbil, c'est le laboratoire tiens, c'était la formation, ben nous donna le cas. Il y avait c'était des photos. Les habnou بعت له ثاني ومن بعد il y a pas de souci. D'accord. Donc selon les labos, qu'il y a ومن بعد il y a les formations continues. Qu'un des laboratoires chaque année, ils ont les délégués تاعهم réunion. Il délègue une formation. Quand il est la réunion de cycle, il déroule une réunion où il me donne selon les objectifs de la société. Par exemple, dans le cas d'importation tel produit, on a un produit en grande quantité. Le produit, par exemple, c'est un mouillon. Donc, on va faire une petite formation à les mouillons, les avantages de ham, et on va se focaliser sur les mouillons. C'est les formations tel le labo au cours des années à venir, mal le délégué ou mal les commerciaux ou mal les superviseurs, selon les objectifs du laboratoire. D'accord. Voilà. Donc, avant de continuer, je vais lire Non. un commentaire. La personne, Gadli, tu n'as pas transmis mes remerciements. Gadli, mille merci, Raouf. Franchement, c'était enrichissant. Merci à vous. J'espère que Talim Toubzef. Si vous avez des questions, Oui, mais elle a les questions. même dans l'avenir, marhaba tani, il n'y a pas de souci. Ça a été un plaisir. Ou t'es comme ça, ou comme les questions, vas-y. Oui, donc quand on est nouveau dans le domaine, on adresse nos questions au superviseur, il est normal. Oui, bien sûr, parce que là, le rôle du superviseur, c'est pas un policier, mais le superviseur, c'est un support pour le délégué. Il est là pour vous. Si vous avez un problème, il dit faut collègue. Si vous avez des questions, enfin, produit ou la touche un site qui fait te présenter, ça va être le superviseur. C'est un support pour le délégué. Parce que là, des objectifs qui maintiennent des objectifs. Qui te les objectifs tiens, ou il les objectifs tiens. Donc, mes débuts, ils sont seuls en temps. Donc, il y a un acteur من يعسكر يقف عليك. Voilà. Oui. Donc, même ce commentaire, je vais le lire. Manel, une réunion très riche, la Hiberek. On n'entend que des rumeurs à la des délégués. Apparemment, c'est beau de parler avec des gens pro. Ben, ça a été un plaisir. Oui, il y a beaucoup de rumeurs. Il y en a qui disent au tout début, il y avait des rumeurs à le salaire, il y avait des rumeurs à le khedma, il y avait haka. Il faut pas toujours écouter les rumeurs. Parfois, c'est des rumeurs fondées. Parfois, c'est fondé sur des expériences personnelles. Par exemple, un ami, par exemple, dès un entretien au collège, lui ont proposé 3 millions de salaire. Il savait pas quel était le salaire d'un délégué normal. Donc, ben tout haja normal, il a accepté. Khdem char ou la charine, je crois, ou bottal. Fak, bli, ça se fait pas. Bli, mais qu'est-ce qu'il fait walou? Darham, beaucoup le rahin entre la voiture, khdashi, koulish. Oui. Donc, les rumeurs, parfois, elles sont fondées. Parfois, ils disent n'importe quoi. Donc, Oui. En fait, quel est l'intervalle d'une visite à une autre? Hana, selon les labos aussi, par exemple, c'est 15 jours. Une visite, le médecin chauffe chaque 15 jours. Là, je visite Jijil Dorka. La semaine prochaine, ça sera Mbouaké. La semaine d'après, ça sera encore Jijil. Donc, une visite de 15 jours. Ou là, par exemple, le médecin, il ne t'a pas bouché. Il dit que bzaf aliya ou la chi, tu peux te chaque mois. Tu dis le superviseur, tel médecin ne veut pas nous recevoir autant de fois.
يقول لك داكور ردو شاك موا دونك مره تصوتيه مره تشوفه مره تصوتيه كاين دي لابواتوار بزاف اللي يديروها ان موا ديريكتومون دونك سا سرا شاك موا اون فيزيت Oui, docteur Abdrahim Fergati, que je le salue. Personnellement, je vous dis bravo, vous avez vraiment parlé de tout. Merci, ça a été un plaisir. Bon, donc, je pense qu'on a. Oui. Je pense qu'on est arrivé à la fin de notre session. Merci Est-ce qu'il à y a une tous. autre question? Eh oui, une autre question. Marhaba. Voilà, c'est avec plaisir. Allez-y. Oui, c'est un indice que la session est très alhamdulillah. Alhamdulillah. Oui, soi-disant, le produit n'est pas disponible chez le pharmacien. On lui dit de l'acheter car on va booster les médecins du secteur, mais il n'est pas convaincu. Le pharmacien déjà qui chauffe les prescriptions de le médecin Jayin ou un d'eux qui gère aussi le produit. Donc si le médecin marche avec vous ou surtout les kindersalid, par exemple docteur, le produit est disponible dans d'autres pharmacies. Pharmacien Adam Andouche, il est disponible dans d'autres pharmacies. Quand parce qu'elle est trop loin de médecin, il dit que j'ai eu des retours. Je suis pas qui, mais il comme les retours en général les médecins. D'accord, j'ai fait la tournée, comme toujours, vous devez faire d'abord la tournée des pharmacies. J'ai fait la tournée docteur, où j'ai remarqué que 3-4 pharmacies flénines, c'est mieux que le habit, amènent le produit, sauf l'un ou mes ailes, et on va quand même essayer d'avoir la disponibilité. Qui le médecin a eu à la belle ou qu'un produit d'autres pharmacies, alors il y a que systématiquement. Qui il y aura, c'est sûr, des personnes qui vont voir la pharmacie Hedic. Goulo docteur, lequel si vous avez des retours, goulo ambliquain, les autres pharmacies. D'accord, donc le pharmacien qui chauffe les prescriptions d'énergie, automatiquement, alors, il va tout faire pour ramener le produit. Les pharmaciens qui ont des muscles, c'est les quotas. C'est votre produit, surtout qui ont une importation, quota, derrière les grossistes, ils ont des packs. Ils goulo lequel habchiri, le médicament X, ça doit, ils ont des Y ou Z. Donc les pharmaciens, ils disent qu'ils ne veulent pas acheter des produits qui ne sont pas chers. Donc ils hésitent. C'est ça qu'ils trouvent les prescriptions de l'école, ils sont en général en mégibo. Voilà. D'accord. Une question de Dr. Fergassi. Oui. Comment le labo se comporte avec un délégué si l'objectif n'est pas atteint? Alors, si l'objectif n'est pas atteint la première année, ce n'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Je n'ai pas eu mes objectifs la première année parce qu'on commence à peine, on découvre, on commence à se faire des relations avec des médecins. On est nouveau, le secteur, la spécialité. Ça arrive à tout le monde. Mais après cela, si vous avez 2, 3, 4 ans, on ne sait pas les objectifs, une fois, il y a un avertissement. La deuxième ou la troisième fois, c'est le renvoi direct. Parce que le laboratoire, même le superviseur, il y a un national, un national, un national, un national, un international. Donc, quand il y a un beaucoup de change, donc ils seront obligés de vous envoyer, malheureusement. Wahida, si oui. Le médicament n'est pas disponible dans les pharmacies, alors que le pharmacien dans le générique, on fait comment? Là, il faudra. D'un côté, voir le médecin et lui demander de dire au patient le médicament prescrit. Parce qu'il est disponible chez les autres pharmacies, il est disponible. Il n'y a aucune raison, il me donne le générique. Mais si ça se passe, ou ça se passe souvent, il faut parler au médecin. Même l'ordonnance ne pas substituer, parce que connu que le médecin ne pas substituer, le pharmacien, il peut délire d'aller passer. Ne pas substituer, a dit d'un côté, ou le médecin, il faut voir avec le pharmacien. Monsieur, on travaille sérieusement, les produits TANA sont efficaces, ils sont disponibles. Je préfère Djibo les produits TANA, ou Tridmobium, qui m'a les médecins les prescrivent, parce que même nous, on va avoir des problèmes avec le médecin, où il va arrêter la prescription si ça continue comme ça. Donc, il faut faire une pression des deux côtés. Ou en général, après quelques visites, ça va se régler.
Une question de Manel. Oui. Un délégué doit visiter les cabinets de médecins et les médecins des hôpitaux et les polycliniques. Bon, ouais, ça dépend des spécialités. Donc, par exemple, un ophtalmo, je dois voir 10 médecins par jour. Voilà, nécessairement d'aller au point d'eau. Chaque laboratoire, il n'y a peut-être qu'un nombre de médecins à voir par jour et nombre de pharmacies. Si je dois voir 10 médecins par jour et 4 pharmacies, on a par exemple le secteur tel groupe, il y a trois ophtalmos, il y a 4 ophtalmos, pardon. Ou qui va encore les 10 médecins. Je vais continuer par les généralistes. Les généralistes, c'est beaucoup le polyclinique, hôpital. L'hôpital en général, de l'offre. Parce que l'hôpital, c'est un potentiel énorme pour le délégué. En général, en une seule journée, il y a des dizaines de médecins fait chaque service. Donc, les hôpitaux, oui. Très de moment, la journée, sinon, les polycliniques, on fait les généralistes. Quand des polycliniques, les font la spécialité tani. Les généralistes cabinards. Il y a beaucoup de les médecins par jour. Tu présentes les produits, les X bon moment. Donc, je vais te présenter le Hajj et les Mikhdem Shbia. Voilà. D'accord. Est-ce que la lettre de motivation, pardon, est très importante? La lettre de motivation, elle n'est pas très très importante. Surtout en Algérie, bzaf recruté sans lettre de motivation. Mais c'est un plus. C'est un plus pour le délégué. Parce que là, en général, qui veut dire haouss al khadma, ou il te fait CV partout au collège, il est motivé. Il veut travailler. Donc, c'est un plus si vous pouvez mettre dans la lettre de motivation. Vous n'allez pas dire que je suis motivé, je suis sérieux, je suis. Parce que hadra n'est pas beaucoup les hadra. Il faut mettre un plus. Par exemple, j'ai travaillé tel, ou là j'ai travaillé par exemple dans une pharmacie, donc j'ai une expérience avec les médicaments. J'aimerais agrandir mon expérience en travaillant en tant que délégué, etc. Oui. Wahida, elle cherche à savoir, c'est à toi de faire, c'est à vous, pardon, de faire la liste des médecins ou bien non. La liste des médecins, c'est à vous de la faire, bien sûr. Aviatek, par exemple, il le secteur, c'est à Constantine, mais là où j'ai. Vous allez demander, le superviseur, les médecins, vous pouvez demander, on appelle ça un data médecin. Vous pouvez demander le data médecin, les groupes, ou un ami, ou là. Là, vous commencez carrément, d'oro, tu as besoin d'une pharmacie, tu sais. وين جاو لك باغ اكزومبل تخدم مع لي جينيكو وين جاو لي جينيكو من فضلك يقول لك هو عند في بلاصه فلانيه بلاصه فلانيه اي فو فات فوتر بروبر داتا ميدسان و تعمرو اون جينيرال هو يقول لك بعث لي لو داتا ميدسان تاعك ابري كلك طون تبعث له لو داتا ميدسان افيك تو لي ديتاي سيكتور نيميرو دو تيليفون لا سبيسياليتي اكسيتيرا هذا هو لو داتا ميدسان سي افو دو لو فير بيان سور Vous pouvez aussi le demander, l'un des autres délégués, il n'y a pas de souci, vous le modifiez selon vos besoins. D'accord. Voilà. Donc, une autre question de Dr. Fergati. Oui. Comment on gère les échantillons qu'on donne aux médecins? Gestion et surtout suivi. Oui. Alors, les échantillons, c'est un plus. Le matériel promotionnel. C'est comme les flyers, qui m'a les stylos, qui m'a les cadeaux, etc. Si vous avez, je sais pas, 100 échantillons, essayez de le diviser à les médecins tech. Parce que surtout si c'est un produit jdid, parce que les échantillons, le canon jdid al-Jazair, un produit jdid le marché algérien, on peut donner les échantillons pendant 2 ans. Après 2 ans, les échantillons sont interdits. Ou ok, aucun les médecins quand même, mais bon. Les échantillons, vaut mieux les diviser à les médecins tech, parce que là, ils vont les essayer, fait homme la fleur famille, qui trouve vraiment un produit efficace, il sera motivé pour prescrire. Si vous n'avez pas beaucoup d'échantillons, quelques-uns, vaut mieux les donner, par exemple, le médecin jdid, ou le médecin, les produits tac, il sera convaincu.
خير من الميدسان اللي قد يكتب لك ديجا ولا اللي يعرف باغ كور البرودوي تاعك. فوالا. D'accord. Je passe à la dernière question. Oui. Que pensez-vous sur, pardon, le laboratoire Hikma pour un début? Bon, je pense qu'on ne va pas répondre là. معليش بون بور ان ديبي نيمبورت كيل لابوراتوار مليح باسكو لا vous allez vous faire une expérience و كي هضر لك على لو سالير باسكو لا دوك تولي لو سالير كي هضر لك على لو سالير لكن لو سالير يوالمك فون ميو كومونسي بور سو فير اون اكسبيريونس و كلش لكن شايف راك راح تخسر اكثر من تربح خويا نقعد في الدار خير وحكمه كوم دوتر لابو سي سي سون دو بون لابو يعني الحمد لله فوالا Merci. Donc, je pense qu'on est arrivé cette fois-ci à la fin de la session. J'espère que tout le monde a bénéficié avec nous et que vous avez eu une idée sur le domaine. Alors, je tiens de vous remercier, Dr. Belkhairi, pour cette collaboration, votre temps et de cette superbe présentation. Merci beaucoup, Dr. Soussen, et je remercie le club Activate pour avoir organisé cette session, ainsi que toutes les sessions précédentes, qui étaient excellentes aussi. J'ai beaucoup appris avec vous. Et merci à tous ceux qui ont participé, posé des questions. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, envoyez par email, il n'y a pas de souci. Inch'Allah, vous aurez appris beaucoup de choses. Merci à tous, à comme ça. Merci beaucoup. Je tiens à vous remercier tous les participants avec nous, nos fidèles sur Zoom et sur la page Facebook. Un grand merci. Je parle de vous. Stay tuned sur notre page Facebook Club Scientifique Activate. Un programme de boom cette semaine vous attend. Ne ratez pas. Merci. Allez. Beaucoup. Bonne nuit Allez, et à au très bientôt, revoir. Inch'Allah. Allez, au plaisir. Inch'Allah.